Bonsoir à tous, bienvenue à Chazelles-sur-Lyon pour la quatrième étape déjà de la Ligue Sport Boulémain, la compétition qui réunit les 16 meilleures cadrettes de France et qui vont se retrouver pendant deux jours dans ce magnifique pôle sportif chazellois avec évidemment à la clé pour le vainqueur l'occasion eh bien, de remporter cette quatrième étape et puis de également faire une bonne opération au classement de cette compétition, on rappelle, qui se joue sur 10 étapes. On est très heureux de vous retrouver, vous voyez, je suis bien entouré pour assister et pour commenter cette compétition à la rouge, à ma gauche, avec Nathalie Bernard qui nous fait le plaisir de revenir au micro. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Cyril. Vous nous aviez manqué du côté de Lyon-Croix-Rousse, même si on était bien accompagné avec Florian Amar. Vous étiez bien accompagné. C'est vrai, finalement, vous ne nous avez pas manqué en fait. Non. Voilà. Vous ne nous aviez pas trop manqué, mais on est tellement content de vous retrouver, Nathalie. De même, c'est pareil pour moi. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Et bien, on va passer en tout cas cette soirée avec vous. J'aurais dû mettre du blanc en fait. On aurait fait carrément le drapeau français ce soir. Avec à ma droite, Jean-Claude Ferriol qui est ce soir. Nathalie, vous étiez la régionale de l'étape à Saint-Vulbas. Ce sera Jean-Claude Ferriol ce soir, le régional de l'étape dans cette magnifique ville de Chazelles-sur-Lyon. Jean-Claude, merci d'être au rendez-vous avec évidemment du spectacle encore au programme ce week-end. Oui, c'est un plaisir, effectivement. Merci de m'accueillir. Et on aura la chance de commenter donc, dans ce groupe 3 et notamment sur le jeu numéro 1, une partie qui va tenir toutes ses promesses. Oui, on va parler évidemment de cette rencontre que vous aurez l'occasion de suivre en fil rouge de cette première soirée entre Genelard, Percherancier, tout simplement les tenants du titre de cette compétition, et puis Annecy, l'équipe de Jean-François Gobertier, qui est leader de la compétition depuis la première étape à Mâcon et qui est également la grande favori hein, également de cette compétition. On va, si vous le souhaitez tous les deux, se rafraîchir les mémoires tout simplement en revoyant le tableau, le classement général de la compétition avant cette quatrième étape pour voir eh bien, qu'Annecy en effet est en tête toujours avec 50 points, 4 points d'avance désormais sur le promu. Plaine de Lin, la team Monceny qui s'était imposée à Saint-Vulbas. Vous y tout étiez, Nathalie. Oui. Genelard est troisième. Vous le voyez toujours eh bien, dans les temps à égalité de points avec Lyon, vainqueur à la Croix-Rousse lors de cette magnifique finale, d'ailleurs, face à Genelard. Et puis Saint-Vulbas qui est à l'affût en cinquième position. La Mode Servelex également, hein, qui est toujours bien placée, 34 points. Puis un petit écart qui commence à se faire avec Nice, qui, on l'imagine, va essayer et va avoir envie de se rapprocher de ce top 5 de la compétition. Nice qui est à égalité avec Bourg-Saint-Andéol, 30 points. Et puis dans la seconde partie du classement, vous voyez que toutes les équipes désormais ont marqué des points. Génissieux pour l'instant est 16e, Bron est à grimper d'une place et 15e. Et puis Joyeuse qui est également 100 points avant l'étape numéro 3 qui a désormais 16 points. Voilà en tout cas pour le classement général. On va vous présenter le programme de cette soirée avec les huit affiches que vous allez pouvoir suivre ce soir. La Mode Servelex face à Nice, Maurienne Galibier, Joyeuse, Genelard, on le disait, Annecy, et dans ce groupe Bourg-Saint-Andéol, Fontaine, et puis dans le groupe 2, Saint-Vulbas, la Côte-Saint-André, Lyon, Lagneux, Plaine de Lin, Génissieux, Aix-les-Bains. Bon, Nathalie, un petit mot tiens, sur les parties de ce soir. Est-ce qu'il y a des rencontres en particulier qui retiennent votre attention? Alors, celle qu'on va commenter, effectivement. Après, je pense que dans ce groupe 3, la partie Bourg-Saint-Andéol-Fontaine aussi va être très, très serrée. Et puis, dans le groupe 1, la Morte Servelex avec Nice. Hein, Nice, où je vous disais, dès la première étape de Mâcon, qui étaient un petit peu mes favoris, alors qu'ils sont... qui n'ont pas bien fonctionné jusqu'à présent, mais qui vont se reprendre et contre la Mode Servelex avec les frères Abelfaux. Voilà, je pense que ça peut être aussi deux autres jolies parties à voir. Après, bon, on a Lagneux d'un côté, on a Génissieux, on a Bron, donc c'est des équipes qui commencent à marquer des points, mais qui démarrent un petit peu dans ce championnat. Donc voilà. Un mot, Jean-Claude Ferriol, sur ce groupe 4 qu'on va revoir rapidement avec notamment eh bien, cette équipe
de la plaine de l'Ain qui va se retrouver face à trois équipes qui luttent hein, pour le maintien. On le voit, Génissieux, Aix-les-Bimbrons. C'est l'occasion pour ces trois équipes dans le groupe 4 de marquer des points. Ça aussi, c'est un week-end important pour ces trois formations. Oui, c'est important parce qu'on a Génissieux effectivement qui a marqué ses premiers points. On a Bron qui a ouvert son compteur points. On l'a vu lors de la troisième étape à Bron, à la Croix, en gagnant leur partie de groupe et la partie de classement. Donc les voilà avec 6 points. Puis Génissieux, effectivement, qui a ses 4 points, qui va être tenté de se reprendre. On a quand même un favori sur le papier, sur ce groupe 4, puisque la plaine de l'Ain fait un petit peu figure d'épouvantail. Ils sont deuxième du classement général. On rappellera que demain matin, vous aurez l'occasion de suivre à partir de 8h l'affiche entre Génissieux et Bron. Malheur au vaincu, pourrait-on dire, dans ce match, alors que vous découvrez bien les 16 équipes qui vont en découdre dans 5 minutes à présent pour ces premiers matchs de poule. On parlait de cette affiche, évidemment, que vous allez pouvoir suivre comme fil rouge de la soirée. Nathalie Bernard, vous allez avoir l'occasion de la commenter. Un mot sur les deux équipes de formation, on le disait, hein, qui font figure de grands favoris de la compétition avec cette équipe de Genlar qui n'a pas encore gagné d'étape mais qui est plutôt bien placée. Cette équipe d'Annecy qui avait parfaitement débuté à Mâcon et puis qui a eu un peu plus de mal à sortir du groupe lors des deux dernières étapes. Voilà, ils sont passés un petit peu à côté sur l'étape de l'accro, mais ils vont se rattraper ce week-end, je pense. Et Genlar qui avait un petit peu mal démarré et où on a vu à l'accro une très très belle équipe. On a vu une très belle finale l'accro contre Genlar. Donc je pense qu'on va se régaler ce soir. Oui, on va se régaler. En tout cas, les deux équipes ont envie de bien débuter cette quatrième étape dans ce magnifique boulodrome, le pôle sportif chazellois. Est-ce que, Nathalie, vous avez eu l'occasion déjà d'évoluer sur ces jeux ? Ah non, pas encore. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'occasion de venir jouer dans ce pôle. J'ai déjà joué à Chazelle, mais au Grand Prix qu'il y a l'été sur la place. Mais... après, ça fait pas longtemps qu'il est là non plus. Ça fait un an, donc, tout juste, voilà. Il était inauguré. Il y a eu une étape de Ligue F1 hein, qui avait eu lieu la saison dernière. Jean-Claude Ferriol, lui, a eu l'occasion d'évoluer hein, sur ces jeux, puisque vous êtes sociétaire du club. Tout à fait, en faisant partie du pôle sportif chazellois, Bellegarde Chazelle. J'ai eu la chance de faire quelques compétitions de club sur ces mêmes jeux. Un petit détail malgré tout, on le voit, et notamment pour l'organisation de la Ligue M1, le sable a été changé complètement. Auparavant, c'était plus un sable de carrière qui était là, un sable un petit peu gris dès qu'il était humide. Et là, pour cette manifestation, eh bien, on voit que les organisateurs ont vraiment mis les bouchées doubles puisqu'ils nous ont changé la totalité du sable pour mettre un petit sable de rivière beaucoup plus clair. On le voit et on a la chance d'avoir des jeux relativement clairs. Un petit mot, tiens, sur les points qui seront attribués durant ce week-end. Ça va nous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair sur les enjeux de cette quatrième étape. On le rappelle, 4 points remportés, gagnés par chaque partie remportée. 4 points supplémentaires pour un premier qui terminera avec 3 victoires. 2 points supplémentaires pour un premier qui terminera avec 2 victoires. Et puis lors des phases finales, 2 points pour les parties de classement. 6 points pour le vainqueur d'une demi-finale et 8 points pour... un vainqueur de finale, en tout cas le vainqueur de cette étape remportera 8 points. C'est l'occasion évidemment de dire que eh bien, rien n'est joué dans cette compétition. On n'est pas encore à la moitié, on y sera la semaine prochaine puisqu'on sera du côté de l'Isère. Saint-Quentin-Falavier la semaine prochaine et on sera là à mi-compétition avec la fin des parties et des parties en intérieur et le début de la seconde partie de la saison qui elle se déroule en extérieur. On n'en est pas encore là, on va, Nathalie, si vous le voulez bien, faire un petit point sur les deux équipes qui vont commencer ces deux rencontres. On a à l'image Christophe Rennes du côté de Gélard. On va commencer par les roses. Voilà, alors tout à fait. Alors, je vois pas bien encore qui va démarrer, mais je suppose que Christophe Rennes va démarrer en tireur tête, Sébastien Graille en tireur en second. Après, chez les pointeurs, je sais pas, peut-être Sébastien Jarise et Mickaël Aymar, je sais pas du tout. On va attendre évidemment. Et puis, voilà, on n'a pas bien l'info. Tous les joueurs sont encore sur le jeu. Donc, ouais. Du coup, on vous donnera l'information un petit peu plus tard. Oui, Fred Poyet qui devrait prendre le point second normalement. Tu crois ? Oui, je ne sais pas. Je pense qu'on va laisser arriver. Et cette équipe, en tout cas de Génard, hein, qui retrouve Sébastien Graille qui n'avait pas joué
du côté de la Croix-Rousse, puisqu'il était organisateur de cette étape qui retrouve les Jeux ce soir. Et puis du côté d'Annecy, on va suivre également la composition avec Pascal Persico, hein, qui est de retour, qui n'était pas là, je crois, à la Croix-Rousse. Il n'était pas là. Qui revient également dans cette équipe. On a vu également... Greg Chira, évidemment. Ouais, il me semble que c'est Thierry Dubuis qui ne va pas démarrer la partie. Qui est présent. Et donc je pense qu'on va, démarrer avec Pascal Persico en pointeur tête. Après, on aura Jérôme Benoît. Jérémy Micou en tireur en second. Et Greg Chira en tireur tête. Normalement, si je ne me trompe pas, l'équipe devrait démarrer comme ça. Le voilà, Greg Chira. Vous l'avez à l'image. Avec... évidemment, l'envie, lui qui a terminé meilleur tireur hein, de la précédente étape à Lyon, ça n'a pas empêché son équipe de terminer à la deuxième place. Beaucoup d'envie, évidemment, pour le joueur originaire de Haute-Loire. Tout à fait, il n'est pas très loin. On ne peut dire qu'il est local de l'étape, mais il n'est pas très loin. Allez, on va lancer ces parties avec notamment... Alors effectivement, c'est bien Fred Poyer hein, qui va démarrer la partie. C'est Michael Aymar, donc du coup, qui sera sur la touche, puisque c'est Sébastien Jarruich qui va pointer de tête. Et un invité de marque pour lancer cette partie, cette affiche que vous allez pouvoir suivre, puisque c'est un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais que vous avez à l'image ici, tiens, qui va lancer le but pour cette affiche. C'est Jean-Louis Rivoire qui va rappeler pas mal de souvenirs aux supporters de l'Olympique Lyonnais, notamment puisqu'il fait partie de l'équipe qui avait remporté la première Coupe de France. C'était en 1964, victoire face à Bordeaux 2-0. Jean-Louis Rivoire, qui est un grand footballeur, qui a joué plusieurs saisons à l'Olympique Lyonnais avant de jouer notamment à Louhans-Cuiseaux, et qui est également un grand fan et grand joueur de boules. Oui, effectivement, il a eu la chance d'aller parcourir quelques boules, de jouer quelques boules, notamment sur le plateau de la Croix-Rousse à la Scule, puisqu'il y avait sa licence pendant de nombreuses années. Et il a joué avec les plus grands, il a joué avec Alain Perlot, pour ne pas le citer. Et c'est une personne vraiment de qualité. Voilà, Jean-Louis Rivoire qui était présent pendant cet après-midi, hein, puisqu'il y a pas mal de personnalités aussi qui ont participé au tournoi VIP, au Gentleman, qui était organisé par le club de l'ASL Chazelle-Virissel. On rappelle que ce club est né en 2017 de la fusion de 4 sociétés boulistes, 3 de Chazelle et 1 de Virissel. Et puis, il y a eu également la création l'été dernier d'un pôle compétition Chazelle Bellegarde en Forêt, dans lequel vous êtes notamment sociétaire et qui organise hein, cette compétition. Qui organise pour la première fois cette compétition. Ils ont mis les bouchées doubles et là, on peut voir qu'on a la chance d'être... mais dans un boulodrome qui est flambant neuf, hein, puisqu'il a à peine 2 ans. Je crois savoir que l'inauguration officielle n'a pas été encore validée avec M. Pierre Véricel, le maire de la commune. Mais c'est un vrai plaisir de pouvoir évoluer et commenter sur des jeux aussi beaux. Allez, on va suivre évidemment cette affiche. On est gâté pour lancer cette 4e étape avec les Blancs et Noirs d'Annecy, l'équipe de la team de Jean-François Gobertier, GDP Vendôme. Opposé à Genlar, la team de Philippe Troncy, le sponsor, la team T2M, donc, qui vont s'affronter d'entrée avec, on l'imagine, une belle option déjà pour le vainqueur de cette partie. Oui, complètement. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, Nathalie a tout à fait raison, elle avait senti le coup déjà, puisque c'est bien Sébastien Jarige qui pointe en tête dans l'équipe Genlar. Et là, Pascal Persico va lui donner la réplique là tout de suite. Oui, on devrait avoir un beau match là chez les pointeurs. Alors chez les tireurs aussi, mais on sait très bien que les tireurs ne font pas tout et qu'une partie, elle se remporte surtout au point, hein, si ça pointe bien. Et vous le voyez sur le terrain voisin, une belle affiche aussi avec... Fontaine, effectivement, on est dans le groupe 3 aussi. Hein. Fontaine contre Bourg-Saint-André-Val. Ouais, ça aussi, c'est un gros match. C'est, hein. C'est le gros match et c'est les 4 équipes qui vont s'affronter tout le week-end. Ouais, c'est le groupe fort de cette 4e étape et c'est encore très très bien pointé de la part de Sébastien Jarige. C'était un peu court sur sa première, mais il a bien rectifié pour la deuxième. Évidemment, la belle... Et on envoie Jérémy Micou au tir. La belle étape réussie à l'Acro-Lyon a
ramener évidemment plein de confiance à cette formation de Genlar, la team d'Anthony Percherancier, qui est absent lui ce soir. Effectivement, Anthony, on ne l'a pas vu, il sera peut-être là demain, on n'a pas l'information tout de suite. Allez, c'est tiré par Jérémy Micou. C'est tapé, mais contre, il a eu le contre sur la boule qui était derrière. Sur la boule qui était derrière, mais les boules qui sont derrière, elles servent un peu à ça, malheureusement. Toujours très important de mettre des boules devant et pas derrière. Et c'est Pascal Persico donc, qui va repartir au point. Vous le voyez en haut de votre écran. Vous êtes habitué maintenant, depuis 2 ans. Vous pouvez suivre en simultané l'évolution des scores sur les 7 autres jeux. Allez, deuxième boule pour Pascal qui va tenter la reprise sur cette boule de devant qui est à peu près à 60. Il remet la main. Ouais, derrière également. Donc elle est encore un petit peu derrière au contre, mais il a repris, c'est le principal. Alors que sur le jeu d'à côté, on va laisser tirer Cédric Roche. Qui connaît bien ce jeu, ces jeux. Cédric Roche qui était déjà venu. Oui, il vient et puis il vient également faire un petit peu d'animation, un petit peu beaucoup d'animation au niveau des jeunes lors des entraînements. C'est quelqu'un de très dévoué pour notre sport. Fred Poyet qui va prendre la suite donc pour Genelard dans cette première main entre deux des grands favoris de la compétition. Allez, première boule pour Fred Poyet. Tenter la reprise sur la boule de Pascal Persico. Et ça semble un peu fort là pour Fred Poyet. Ouais. Et le point va rester pour Annecy. Bien passé au jeu, mais légèrement vite. À cette équipe de Genelard qui nous avait gratifié d'un sacré spectacle lors de l'étape précédente. Ça s'était joué à pas grand-chose, notamment lors de la demi-finale face à Bourg-Saint-Andéol. Ouais, on peut le signaler, il y a eu une demi-finale vraiment d'anthologie. C'est ce qu'on en a pu voir avec un... On peut le dire et répéter avec un Julien Molager qui a été exceptionnel, qui a surtout assuré le spectacle en réalisant 6 frappes au but consécutives. Donc qui lui a permis d'éloigner un petit peu la dynamique de l'équipe adverse. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller gagner cette partie. On laisse jouer Damien Didier sur le terrain voisin. Et c'est Fred Poyet qui va jouer à son tour. Ah, il va toucher la boule de Sébastien Jarry, ouais, un petit peu sur la droite. Il est un peu retombé, et du coup... Les jeux ne sont pas faciles, pour les avoir joués une fois ou deux, on les voit relativement plats, faciles, et il y a des courbes un petit peu de partout, là, il faut chaque fois défendre la boule. Ça ne va pas être évident, ça ne va pas être évident du tout, il va falloir s'appliquer, il va falloir être très concentré. On va le voir d'ailleurs, ça va partir très rapidement à la défense, puisqu'on a Christophe Rennes qui va tout de suite, malgré la boule manquée de Fred, défendre son point. Allez, Christophe Rennes au tir pour son premier tir du week-end. Tout à fait. On le rappelle, en demi-finale, notamment à l'accro, il avait réalisé une performance 19 sur 22 au même titre que Luc Herran. Troisième tir hors de la compétition pour le moment. Christophe Rennes, pour l'instant, c'est manqué pour sa première de cette quatrième étape. Attention, on va jouer la cinquième boule. Ouais, ouais, Sébastien Jarige à l'écran là, faire la grimace parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas bien embarqués dans cette main. Avec Sébastien Graille qui... Je pense qu'on va essayer de reprendre le point et si toutefois ça ne le fait pas... Ben, Christophe ira... Il faudra prendre la bonne décision. De toute manière, je pense que là, Annecy, vu comme se déroule la main... Ça devrait se finir au but. C'est Sébastien Graille. Pour l'instant, on va... Ça semble fort aussi pour Sébastien Graille. Ouh là 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 là. Ouais, ça va être long pour
Aïe, 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 je crois qu'on y est. Hein. Sébastien Graille, et on va attaquer fort pour Christophe Rennes, hein, puisque il en est déjà à son deuxième tir. Premier était manqué, et là, le deuxième, il va aller essayer de chercher de l'annulation. De récupérer la mauvaise passe de ses coéquipiers. Rappel, troisième tireur hein, de la compétition avant cette quatrième étape, 83%. Il était à 5 sur 7 au tir au but avant cette huitième tentative que vous allez pouvoir suivre. Et bien voilà, c'est magnifique. On en restera là dans cette première main avec cette annulation de Christophe Rennes précis. On le revoit. Beaucoup de concentration hein, pour Christophe avant d'aller tirer. Ah, il était temps, hein. C'est un boule en main. Ah là, c'était le moment, oui. C'est un boule en main pour Annecy, donc très très belle annulation de la part de Christophe. C'était le moment, parce qu'en plus il y avait deux boules derrière, enfin deux boules, on va dire, pratiquement qui servaient à rien. Donc, Et bien on reste à 0-0 dans cette affiche. Ouais, on reste, vous le voyez, sur les autres jeux. Le score qui, pour l'instant, n'a pas évolué. On va suivre évidemment les commentaires de Marc-Alexandre, hein, qui est toujours... le speaker de la compétition présent, Marc-Alexandre, que vous retrouverez demain matin à 9h dans notre café croissant avec Marco. Ça vous plaît comme rendez-vous, ça? Ah, c'est un rendez-vous. C'est l'incontournable du matin, ça. Ça vous aide à vous lever, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est pour les croissants ou c'est pour Marc-Alexandre? On va commencer par Marc et le croissant est le bienvenu. Mais c'est vrai qu'on adore avoir son analyse. Il sent la compétition, il est à côté d'eux et c'est très très intéressant d'échanger avec. Et Marco Beakovic au point sur le jeu voisin pour Fontaine. Une belle boule de Marco aussi. On va redémarrer avec Sébastien Jarige. On reprend les mêmes et on recommence dans cette affiche entre Gennelard et Annecy, deuxième main. Voilà, il a bien réglé là. Oui, c'est bien pointé là, de la part de Sébastien Jarige. La distance est meilleure. C'est frappé pour Jérémy Micou également. C'est frappé pour Jérémy Micou. Sixième tireur, hein, lui pour l'instant au général, avec 80% avant cette quatrième étape. C'était sa 150e boule tapée depuis le début de la compétition. Il en est à 120 touchés. Et de nouveau, Sébastien Jarige au point pour reprendre. Bien. On rappelle que cette équipe de Gennelard est troisième ex aequo avant cette quatrième étape avec un bilan de 7 victoires, 5 défaites, une finale sur les jeux du Boulodrome des Canuts à la Croix-Rousse, une demi-finale également à Saint-Vulbas. Elle avait plutôt mal débuté cette compétition avec une quatrième place à Mâcon, oui. Une série de trois défaites. Elle s'est bien reprise depuis avec cette première place de groupe à Saint-Vulbas. Et on disait cette demi-finale perdue 13-5 contre le futur vainqueur Plaine de Lain. Et puis à la Croix-Rousse dans ce derby face à Lyon et cette défaite 6-4 en finale après cette victoire sur le fil 3-2. Contre Bourg-Saint-Andéol en demi-finale. Annecy, de son côté, est premier du classement depuis le début de la compétition à Mâcon avec 50 points, 11 victoires, seulement 2 défaites pour les joueurs de Jean-François Gobertier. Victoire à Mâcon, mais Annecy n'a pas réussi à sortir des groupes lors des deux dernières étapes, à chaque fois deuxième.
avec une défaite contre Saint-Vulba à Saint-Vulba et puis une défaite contre Lyon à la Croix-Rousse. À Lyon. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant de voir leur comportement. C'est vrai qu'à la Croix-Rousse, le groupe n'était pas facile. Là, il n'est pas facile non plus. Ils n'ont pas eu la chance de passer précédemment sur l'étape 3 à la Croix. Là, je suis impatient moi, de voir comment ils vont pouvoir réagir et sortir d'une passe difficile dans ce groupe-là. Greg Schira, évidemment, sera un des éléments de réponse du week-end, évidemment, sa performance à Greg Schira, qui, lui, pour le moment, est le cinquième tireur de cette compétition avec 82% de réussite. Il était à 147 sur 179 avant de venir sur ces Jeux du pôle sportif Chazellois. Et vous l'avez vu tout à l'heure sur quelques plans larges, il y a du monde ce soir. On le disait dans la Loire, on aime le sport boule. Tout à fait, on a pas mal de jeunes, je suppose. Alors je ne sais pas s'il y a un CFB ici, mais, ou peut-être à Bellegarde. De la Loire, il y avait. Ouais, de la Loire, mais on avait beaucoup, beaucoup de jeunes en fin d'après-midi, là, dans les Jeux, qui ont fait un peu le show, finalement, quelque part. Donc ils sont restés derrière, donc c'est sympa. Fred Poyet. Deuxième boule pour Fred. Encore bien joué un peu sur le côté. Et vous voyez, Fontaine a ouvert le score face à Bourg-Saint-Andéol pour mener 2-0. 2-0 également pour Aix-les-Bains face à Bron. 2-0 pour la Motte Servolex face à Nice. 0-0 pour l'instant sur tous les autres jeux. Échec pour Cédric Roche sur cette tentative alors que Greg Schira va aller jouer sa seconde boule dans cette deuxième main. Ah, on est boule à boule là pour l'instant. On ne prend pas de risque en fait. On va tirer tout de suite la troisième boule alors que c'est une boule qui est 20-30 de côté, mais à 60. Et voilà. C'est un... Après derrière, encore Jean-Benoît. Encore en arrière. Donc On avait un peu peur, je ne l'ai pas vu d'ailleurs sur la finale des clubs à Saint-Vulba. Il n'était pas présent sur les jeux. Ah bah alors est-ce qu'il a joué, je ne sais pas. Alors ça je ne peux pas vous dire parce que alors, j'étais concentré sur mon match. D'accord. Et pas sur celui des garçons. Alors il était présent, il était là, ça c'est sûr. Après est-ce qu'il a joué ou pas, c'est possible qu'il n'ait pas joué mais il revient de blessure quand même. Il a été un petit moment absent. Suite à des problèmes de dos. Donc apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Oui, ça va. Visiblement, maintenant, ça va. À ce niveau-là, on peut peut-être faire un coucou à notre collègue et ami Fred Assensi. On peut dire qu'il a été opéré la semaine dernière, que cette opération s'est bien passée. Et Didier Abrat nous le rapportait. Donc, ça y est, la convalescence va démarrer, a commencé. Et il pourrait être disponible d'ici 3-4 mois. Voilà, Fred Assensi, évidemment, à qui on souhaite un bon rétablissement. Le président de Ballarue-Clébin, le joueur de cette équipe également de Nice, qui a perdu un élément fort. Les Niçois qui ont de grandes ambitions cette année dans cette compétition, qui ont montré de très belles choses, mais qui pour l'instant n'ont pas réussi à aller au bout, ou même à sortir des poules dans cette l'export Boulémain. Ils ont fait un très bon départ sur les deux premières étapes. Et puis effectivement, les deux blessures, celle de Fred Assensi et la blessure de Sébastien, les a handicapés sur la dernière étape. Ils sont allés chercher simplement une seule victoire. Et là, bon, ils vont avoir à cœur de recoller aujourd'hui au peloton de tête. Oui, ils étaient sortis des poules à Mâcon, pour être précis, mais avaient buté en demi-finale. Pascal Persicaud qui... Alors il a poussé un peu le but, il est passé légèrement derrière, est-ce que ça tient ? Visiblement non. C'est Jérôme Benoît qui va aller tirer. Et ouais, Jérôme qui va aller jouer la sixième. C'est surprenant, Pascal, ça fait trois fois, deux, trois fois qu'il passe 40 cm derrière. C'est ça. Les jeux glissent bien. Et Jérôme Benoît qui va toucher. Frappé pour Jérôme. On l'a vu beaucoup plus souple sur cette boule. Autant il était en difficulté les dernières fois qu'on le voyait jouer. Et là, ça y est, on sent que ce mal de dos qui l'handicapait est en train de s'éloigner. Ouais, c'est frappé. C'est une bonne nouvelle pour la compétition, évidemment, de retrouver Jérôme Benoît. Bien sûr,
avec un physique performant en tout cas. Petit. Comme Sébastien Graille hein, qui l'année dernière avait été handicapé par une blessure. Bon, une partie de la saison lui aussi va mieux. Deuxième boule pour Seb qui va laisser Lucas Rall tirer. Sébastien Graille, on le retrouve. Ah, il est parti sur le côté. Ouais, il est sorti de l'axe du but là. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sable sur le terrain. Hein, non ? Oui, le fait de rajouter un petit peu de sable. Cette, la force me paraissait semaine. Bonne pourtant. Mais... Elle a versé, ouais, bizarrement. Ouais. Ah, ce sont des jeux qui sont neufs et il risque d'y avoir des surprises tant que le sable n'est pas égalisé. On voit d'ailleurs. Hein. On voit ça balaye, hein. On les voit chercher leur donne et préparer un maximum l'arrivée de la boule, mais ça ne suffit toujours pas. Et Christophe Rennes qui va partir sur la boule. Et Christophe Rennes au tir. Il était tout à l'heure sur l'annulation. Et c'est touché. Petite boule d'avance pour Annecy. On les voit pas sur le râtelier là-bas. Christophe, il nous triche en fait. Il a mis sa boule sur le côté du et non pas sur le râtelier. Une boule à Pascal Persico, une boule à Jérôme Benoît. C'était Luc Hiral qui était au tir. Et Pascal Persico qui va partir pour jouer cette avant-dernière boule pour Annecy. Savoir s'il va rectifier par rapport à la première qui était bien jouée, qui était très très bien jouée, mais qui est passée 40 cm derrière, qui n'avait pas pris. Connaissant son talent, je pense qu'il ne va pas tarder à rectifier. C'est fait. C'est fait. Ouais, c'est repris pour Pascal Persico, quatrième pointeur de la compétition. Lui qui a manqué la troisième étape, mais qui avait été performant lors des deux premières. Très très bon pointeur, Pascal. J'ai jamais bien vu s'égarer sur un jeu de boule. Et Christophe Rennes, voilà, la dernière boule pour Genelard. Ouais. C'est un nouveau frappé. Boule frappée, il va avoir une boule, dernière boule à jouer pour Annecy. Avec Jérôme Benoît. Pour donner peut-être un premier point à l'équipe de Jean-François Gaubertier. Donc, on est un petit peu loin, on a vu qu'il y avait deux boules tout au fond du jeu, mais elles doivent appartenir à l'équipe de Genelard. Allez, on l'a vu au tir, Jérôme Benoît, on va le voir au point pour finir cette deuxième main. Vous voyez que sur tous les autres terrains, quasiment, le score est ouvert. On va suivre sur ce jeu numéro 1, eh bien, ce point. Ah, ouais, elle semble un petit peu... Est-ce qu'elle... Non. À mon avis, non. Elle ne comprend pas apparemment. On ne voit pas très bien, mais vu sa tête, je pense que... Non, on a vu la déception tout de suite. La boule a été enlevée du pied ouais. Et elle ne comptait pas. Ça sera un premier point donc pour Genelard dans cette affiche face à Annecy, affiche du groupe 3 que vous pouvez suivre en direct ce soir sur les réseaux de la Ligue Nationale de Sport Boule, sur les réseaux également de la Fédération Française de Sport Boule. On vous rappelle que la finale sera à suivre eh bien, demain à 18h en direct sur Sport en France. Elle sera retrouvée également en replay sur l'équipe live. Et vous allez évidemment pouvoir suivre toutes ces parties de groupe et également les demi-finales, les parties de classement en streaming sur les réseaux donc, de la Ligue Sport Boulevard, sur les réseaux de la Fédération Française.
et vous êtes de plus en plus nombreux et on s'en félicite évidemment. On vous remercie de votre fidélité. On en profite d'ailleurs pour passer le bonsoir à l'un d'une personne qui nous suit de près. On est très fiers, c'est Bernard Cheviette qui est un fidèle de cette compétition et de ses retransmissions. C'était son anniversaire cette semaine au Maestro qui fêtait ses 81 ans. On lui souhaite un très très bel anniversaire à Bernard Cheviette. On espère évidemment l'avoir cette saison, pourquoi pas sur l'une des étapes. Oui, alors bonsoir Bernard s'il nous entend. Il faut quand même rappeler sur le Grand Prix de la Chapellerie et notamment les derniers doublettes qui ont eu lieu de 1990 à 2015, Bernard Cheviet s'est présenté 7 fois et l'a remporté à 5 reprises. C'est tout simplement magnifique. Bah, il a une grosse cote de popularité dans cette ville de Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire également. Joueur de l'accro. Alors que dans le jeu numéro 1, effectivement, le but est lancé à près de 16 mètres, 16 mètres 50, 16 mètres. Et là, on a une première boule faute, malheureusement, qui est à près de 80. Elle est loin derrière. Ouais, elle est loin derrière, 80, près de 80 cm. Ce qui va laisser un petit peu de place. Et Pascal, c'est pareil. J'ai l'impression que Pascal aussi, c'est pareil pour lui. Vu la tête de Jérémy, comme il s'est rangé. Aïe, aïe, aïe. Il a peut-être repris. Il est passé. Vous voyez également, ça bouge maintenant sur les autres jeux, puisque pour Saint-Andéol, donc, est mené 2-0 par Fontaine. Génissieux qui mène 2-0 face à l'équipe de la Plaine de l'Ain. 2-0 pour Aix-les-Bains face à Bron. 2-0 pour la Motte Servolex face à Nice. 2-0 pour Joyeuse face à Maurienne-Galibier. 1-0 pour la Côte-Saint-André devant Saint-Vulbas. Et Lagneux qui mène 2-0 face à Lyon. Ah, déjà quelques petites surprises ce vendredi soir. Alors qu'on accueillera dans quelques minutes le président du club local, Maxime Benet, qui viendra nous rendre visite. Maxime Benet, le président de l'ASL Chazelles-Vericelle, qui accueille avec évidemment son pôle compétition, le pôle Chazelles-Bellegarde en forêt, cette compétition. Ça a rectifié pour Pascal. Et Christophe Rennes, du coup, qui est parti au tir. Et vous voyez que Nice mène désormais 3-2 face à la Motte Servolex. Christophe Rennes, dans sa position toujours particulière. Ouais, Christophe Rennes s'est touché. Et son tir particulier, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais par rapport à d'autres joueurs, il fait des tout petits pas. Il en fait un de plus, hein, de pas. Dans sa course, ouais, tout à fait. Un style un petit peu particulier. J'aime bien ce style d'ailleurs. 7 pas d'élan pour Christophe Rennes. Voilà, et des tout petits pas. Savoir si Jérôme Benoît va se faire prendre également par la distance. Ça a l'air de glisser énormément. Ouh, elle jouait forte. Elle est jouée forte, celle-ci, il me semble, non ? Est-ce qu'elle va s'arrêter ? C'est pris quand ? Ça a l'air très, très glissant comme jeu de ce côté-là. Ça a l'air compliqué, ouais. Et il va faire prendre ses marques, évidemment, sa grimace. Du côté de Jérôme Benoît, on n'est pas forcément plus à l'aise du côté de Gennelard. Et comme on le dit sur les jeux neufs, tant que le sable n'est pas stabilisé correctement, et on peut se faire prendre, et c'est un peu ce qui se passe pour l'instant. On n'a pas l'habitude de les voir placer des boules de cette manière-là. Ils sont davantage plus devant, on va dire, que derrière. Et là, c'est le jeu qui veut ça pour l'instant. Sébastien Jarige à l'image avec derrière Marco Beakovic et l'équipe de Fontaine en second plan. Ah, c'est bien joué pour Sébastien. Sébastien Jarry s'est repris ou pas. On se pose des questions. Elle a versé sur la gauche. Elle a versé. Hein. Des jeux compliqués. Comme souvent dans les woulodromes, hein, le 1 et le 8 sont des jeux assez compliqués à jouer.
Et là, ça se confirme. Et pour l'instant, les pointeurs ont du mal à régler dans la ce distance. Là, ouais. Du coup, c'est pas repris pour Sébastien. 5-0 désormais pour Aix-les-Bains face à Bron. Sur la boule de Pascal Persico. Ouais, déjà la quatrième qui monte. On va laisser tirer Marco Biakovic sur le jeu d'à côté. Marco Biakovic qui a touché. Et Fred Poyet qui va pouvoir essayer de reprendre le point là pour Genelard. Oula, ça semble c'est vite fort. Aussi. Ouais, hein. Ça semble très fort. Que se passe-t-il? On a du mal, on a vraiment du mal à trouver, à prendre la distance. Encore, hein. On évite, la boule est perdue, bien sûr. Le but a fait plus de 50, on replace, la boule est annulée et on prend une boule de retard supplémentaire. Oh, on n'arrive pas à régler là. Non. Bien au jeu. C'est réglé en revanche pour Julien Molager hein, sur le jeu voisin là qui a l'air déjà bien parti dans son week-end avec l'équipe de Bourg-Saint-Andéol, l'équipe de Patrice Landreau qui n'est pas là, hein, Patrice Landreau. Non. Patrice Landreau, oui, pour des occupations personnelles et qui est remplacé tout simplement par le président de la boule de Bourg-Saint-Andéol, une personne qu'on connaît très très bien, Didier Combet. Ah, Didier Combet qu'on avait Fred Poyet est parti, il a fait comme Sébastien Jarige. Fred Poyet a énormément de mal à rentrer dans cette partie. Et c'est, on le voit, hein, ça discute beaucoup entre Sébastien oui. Gras et Christophe Rennes. On va tirer la boule pour faire jouer. On ne sait pas, on se dit, on n'y est pas arrivé, peut-être que les autres non plus, finalement. De partout entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. Et pour l'instant 5-0 pour Génissieux face à Plaine de Lain. On le disait, hein, Génissieux et Plaine de Lain qui la saison dernière évoluaient toutes les deux en Ligue M2, ces deux formations. Génissieux avait terminé deuxième du championnat, Plaine de Lain troisième. Et même si pour l'instant Plaine de Lain occupe le haut du tableau, deuxième place du général, et bien Génissieux, la lanterne rouge, a peut-être la clé pour venir perturber la team d'Olivier Monceny. On les avait appréciés, notamment la deuxième partie à l'accro du matin, partie qu'ils avaient bien démarré, rappelez-vous, sur la première heure était tout à leur avantage, et malheureusement, un petit peu manque de rythme sur la deuxième heure, ils se sont fait rattraper et dépasser. Mais là, c'est vrai qu'ils avaient fait une belle entame, comme ils le font aujourd'hui d'ailleurs face à la Plaine de Lain. Ben Génissieux qu'on retrouvera hein, demain matin, Jean-Claude, avec ce duel face à Bron que vous pourrez suivre donc à partir de 8h en fil rouge. Allez Jérôme Benoît. C'est repris pour Jérôme. Et là que fait-on? Deux boules chez Sébastien. Chez Sébastien Graille. On va tirer en prenant le but, je pense. Il est gratuit, il est devant. Ils vont pas trop se tromper. Normalement. On va prendre à l'avantage, hein. En plus, on n'a vraiment pas un beau jeu. Donc, Deux boules de retard, ça serait bien de l'attraper celui-là aussi. Sébastien Graille pour essayer peut-être d'annuler cette troisième mène entre Genelard et Annecy. La première mène avait été annulée par Christophe Rennes. Oh, il est blessé, mais pas suffisamment. Ouais, c'est effleuré. Et on va aller au bout de cette troisième aile qui risque de coûter quelques points à Genelard et permettre à Annecy de reprendre l'avantage, de prendre même l'avantage dans cette affiche. Ouais, parce que là, pour le coup, on est 4 boules contre une. Le jeu paraît ouvert, hein, c'est une histoire de distance. Et si Annecy trouve tout de suite la bonne distance, ils peuvent rapidement engranger quelques points. On va suivre avant cela la
Dernière boule pour Sébastien Graille. Qui a été malheureux hein, sur cette tentative. Et malheureusement, quand on tire le but sur la défense, c'est qu'on est sur ses deux premières passes, en fait. Hein, parce qu'on a Christophe qui l'avait attrapé déjà la première fois. Là, on est au but encore sur la seconde. Il y a une domination, une petite domination au point de l'équipe d'Annecy. Il va être court, Sébastien Graille. Ouais. Et peut-être laisser un peu de place, même si on l'a vu, hein, c'est pas évident de se rapprocher du but dans cette. Pas très en réussite non plus, hein, finalement. Hein, parce qu'il n'a pas trouvé. Au point, il n'a pas bien pointé. Bon, là, il a sa tentative de but. Il est bien dans le 50, mais le but ne sort pas. Luc Héral s'est écarté pour Luc Héral. La boule qu'on voit au fond, c'est une boule de point aussi. Hein. C'est une boule de point de Dany Montels. Donc, comme quoi, il n'y a pas que dans le jeu numéro 1 où, où ça va vite. Ça l'est aussi dans le jeu numéro 2. Greg Chira au point. Ah, ça compte déjà, ça, non? Oups. Ouais, vous avez vu qu'il s'est appliqué à Greg Chira pour colorier sa boule, hein, qui est magnifiquement bien coloriée et qui nous permet de suivre de belles bannières, les boules blanches d'Annecy, comme leur maillot, comme les tenues annéciennes, les hauts savoyards. Ça compte. Qui vont bien prendre sans doute l'avantage dans cette troisième mène. Ça compte pas. Eh bien, on a Jérôme Benoît qui valide le point. Et là, bizarrement, c'est Pascal Persico qui se baisse après lui. C'est surprenant. Ah, les boules sont à 50-51 cm. Ouais. Hein, oui, peut-être. Peut-être. Peut-être pas grand chose, hein. Peut-être qu'en touchant à peine la sienne. Ah oui, quelques mais millimètres. Mais bon, ça m'étonne, s'il n'y en avait qu'une qui gênait, ils auraient été tirés. Alors à moins qu'il y en ait deux. S'amuser à pointer, c'est pas le style. De la maison. Non. On va pas s'embarrasser. Allez, Greg Chira. Ah, mais sa première boule est bien jouée. Elle lui fait vraiment jeu. Il peut pas trop se tromper. S'il l'envoie de la même manière, il a vite compris. Voilà. Il se positionne exactement au même endroit. Ah, faut trouver la sienne. Quand elle est belle, hein, elle semble belle. Ouais, ouais, elle est très, très belle, Greg celle-là. Ces deux boules sont magnifiquement bien. Ça fait deux points sûrs hein, déjà pour Annecy. On ça fait pour au moins deux points sûrs, voilà. Troisième, on ne sait pas trop. Bon, Jérémy, maintenant, elle est pointée. Elle n'a pas pointé encore depuis le début de la partie. Les comptes évidemment dans quelques instants. Ça risque de faire mal hein, cette mène-là. Ah, ils avaient réussi à limiter la casse Génelard sur la première annulation de Christophe Rennes lors de la mène numéro 1. Ils avaient empoché un point bien donné, bien payé parce que Jérôme Benoît était pas loin de donner l'avantage hein, sur la mène numéro 2. C'est ça, mais bon, annulation mais à la mène numéro 1, annulation à la mène numéro 2. On peut dire que Génelard, ils ont énormément de mal à rentrer. Dans cette partie aïe. Oups. Oula, même si. Il aurait plus fallu qu'il touche parce que celle-ci, elle doit être limite avec les autres. Ah, toujours deux points. Allez, dernière boule à jouer pour Jérémy Micou. Pour l'instant, deux points, voire peut-être trois. Voire peut-être trois. Il est bien trop loin pour Il est magnifique ce boulodrome. Il y a pour beaucoup d'espace. Oui. Mais c'est vrai qu'on est assez loin du jeu. Même si sur ces images d'Anis Production, on peut vivre cette soirée, cette première soirée de la meilleure des manières avec ces magnifiques images. C'est mieux ça. Je vois pas ce qui va interdire d'y être celui-là. Hein. Celui-là, il va y être. Ça fait 3. Ça fait 3 minimum. Ça fait au moins 3. On va attendre évidemment bien que les joueurs mettent le score. Mais
cette équipe d'Annecy va passer devant. Merci Jean-Claude Ferraiol, on vous retrouve un peu plus tard. On va vous laisser reposer tranquillement et puis peut-être on accueillera dans quelques instants hein, le président de l'ASL Chazelle Viricel, Maxime Venet. Et on vous retrouvera de toute manière demain matin pour cette magnifique affiche, en tout cas du bas de tableau qui va valoir très cher entre Bron et Génissieux. Ah oui, tout à fait. Sur la saison régulière, les équipes, malheureusement, du bas de tableau, sur la quatrième étape, c'est très, très important. Il ne faut pas se louper. Et en plus, ils sont en confrontation directe demain matin. Donc, ça risque d'être très intéressant. Je ne sais pas si je vous laisse partir parce que finalement, cette tenue, elle va si bien avec celle de Nathalie. Il va nous manquer quelque chose, là. Du coup, on ne va plus être d'accord. Je vous attrape, le président. Ah, mais merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Alors, il y avait bien 4 points pour Annecy. 4 points pour Annecy, donc, qui prend les devants dans cette affiche pour mener 4-1 face à Genelard. Et puis, vous le voyez, ça a bougé également sur les autres jeux, hein, avec Génissieux donc, qui mène 5-0 face à la Plaine de Lin. 5-0 également pour Aix-les-Bains face à Bron, de partout entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. 4-2 pour Nice désormais face à la Motte Servolex. Mauriane Galibier qui est menée 4-0 face à Joyeuse. 4-0 également pour la Côte-Saint-André face à Saint-Vulbas. Ça, c'est une petite surprise aussi. Et puis Lyon qui était mené 2-0 par Lagneux qui mène désormais 4-2, le vainqueur de l'étape numéro 3. Qui est en forme, l'équipe lyonnaise, et qui pour l'instant est en bonne position face à Lagneux dans un match important. On sait, Nathalie, c'est pas évident, hein, à chaque fois c'est parti du vendredi soir, il faut se lancer, se mettre dans la compétition. Il y a quelquefois quelques surprises. Oui, tout à fait, et puis ben, les joueurs c'est pas des professionnels, hein, ils ont leur journée de boulot, il a fallu faire le trajet, il y en a qui viennent de loin, d'autres de moins loin, mais bon, il faut faire la route. C'est pas évident de se mettre en jambes comme ça. Cette partie du soir plus la première du matin, on va dire que c'est les deux plus difficiles. Après, une fois qu'on est en route, on est en route, mais celle-ci est compliquée, ouais, effectivement. Et puis on a vu que l'équipe de Saint-Vulbas est menée 4-0 hein, face à la Côte-Saint-André. Il y a quelques absents, Nathalie, hein, dans l'équipe donc, de Saint-Vulbas. Ben, Albert Didona n'est pas là. Laurent Béraud, ben, blessé. A été opéré d'une épaule, donc absent des terrains aussi encore pour quelques temps. Donc effectivement, ils ont fait appel quand même à leur joker de luxe, hein, qu'on a vu à Saint-Vulbas, Jacques Chalessin. Et quand Jacques Chalessin voilà. Est en Ligue Sport Boulay-Bains, ouais. Saint-Vulbas est souvent bien placé. Hein, on a pu s'en rendre compte à l'étape de Saint-Vulbas, ouais. On va suivre évidemment, mais pour l'instant c'est mal parti. Quand même pour les Willibadois, voilà, menés 4-0 par la Côte-Saint-André, qui est une équipe pour l'instant qui joue vraiment les troubles faites dans cette compétition, capable de battre les meilleurs. Ouais, une bonne petite équipe aussi, hein, la Côte-Saint-André, avec je pense à Kevin Bucreux, hein, qui a été sacré champion de France des clubs sportifs la semaine dernière à Saint-Vulbas. Voilà, dedans on a Baptiste Côte-Larec, enfin on a une jolie équipe hein, quand même à la Côte-Saint-André. Ouais, Kevin Ducreux qui a évolué notamment à Bellegarde-en-Forêt, hein, d'ailleurs, qui connaît bien la région puisqu'il a évolué pendant 2 saisons sous les couleurs de l'équipe de Frédéric Mioto, l'équipe de Bellegarde-en-Forêt. Alors qu'on revoit ce tir magnifique de Christophe Rennes. Tout à fait. De belles boules de Pascal Persico enlevées par Christophe Rennes. Jérôme Benoît. Nice a fait un premier écart dans cette affiche face à Genelard. Belle boule de Jérôme. Il y a quelques champions de France hein, dans cette équipe d'Annecy, Jérôme Benoît et Alex Chirac. Non. Qui... Non. Alors Alex Chirac était champion de France, mais dans l'équipe d'Annecy, c'est Grégory Chirac. Grégory Chirac, pardon. Oui, tout à fait. Il a été sacré champion de France la semaine dernière à Saint-Vulbas avec l'équipe de Saint-Vulbas. Vous faites bien de me reprendre, Nathalie. Alex Chirac, il est dans l'équipe de Saint-Vulbas. Bien sûr, tout à fait. Alex Chirac qui était présent notamment cet après-midi pour le Gentleman, le tournoi VIP. Ouais, alors Alex Chirac est toujours présent dans ces rendez-vous-là. Et il est toujours prêt à faire des exhibitions, de venir donner un coup de main aussi, d'apporter son savoir-faire et de soutenir tous les jeunes. C'est vraiment un très très grand champion
qu'on pourra retrouver au championnat du monde à Saint-Vulbas, puisque la sélection est sortie. Donc Alexandre Chira fait partie de la sélection et il sera aligné en progressif et en relais avec son compère Fred Marsens, qui joue avec lui dans l'équipe de Saint-Vulbas en sport boule Ligue M1. Rien ne vous échappe, Nathalie, en effet, puisque dans cette équipe de France, il y aura également Sébastien Belet, Julien Molager, Sébastien Belet et Alexandre Chira, évidemment. Fred Marsens qui sera présent, Sébastien. Léva Marcon également, le joueur de 10 qui sera présent. Et puis il y aura également les relais mixtes avec Guillaume Abelfo qui sera aligné avec Florian Amar et avec Anaël Barazzuti. Oui, on a aussi une petite pensée pour les remplaçants, parce qu'il y a aussi des possibilités pour Greg Chira, pour Romain Garcia, pour Cédric Cazorla et Matteo Rofino pour les garçons et Marie Grolea pour les féminines. Tout à fait. Voilà pour l'équipe de France qui donc défendra les chances tricolores lors des championnats du monde qui se dérouleront en effet à Saint-Vulbas. C'est ça, au mois de mai. Ah, le calendrier va être très chargé maintenant jusqu'au début de l'été pour tous les boulistes. Sébastien Jarige. Oui, parce que Jérôme Benoît, autant il a mis une belle première boule, sa deuxième boule est partie là-bas le long du fil. Donc bien sûr, c'est repris pour Sébastien. Alors, le jeu numéro 3, vous pouvez voir que Génissieux a pris le large, puisqu'il mène 7-0 contre l'équipe de la Plaine de l'Ain. Ouais, et 8-0 peut-être désormais pour Aix-les-Bains. Et Aix-les-Bains qui mène 8-0 face à Bron. Ils n'ont pas envie de traîner sur les jeux ce soir, je crois. Ouais, c'est une bonne idée. Ils sont fatigués, ils ont envie d'aller se coucher de bonne heure. Dormir et préparer. On sait qu'il y a très peu de temps entre la fin des parties le vendredi soir, le début de samedi matin. C'est une bonne nouvelle pour ces deux équipes. Si elles pouvaient s'imposer rapidement, évidemment, ça leur permettrait de gagner un peu de repos supplémentaire. Tout à fait. Puis Jérémy Micou frapper la boule de Sébastien Jarige. Et Sébastien Jarige qui va jouer sa deuxième boule dans cette main. Allez, Sébastien Jarige qui a trouvé le bon chemin et la bonne distance. Tout à fait, bien joué. Magnifique boule. Bon, après, la boule de Jérôme est très très moche quand même. Vous voyez le petit but de la Ligue Sport Boule et Mains qui a fait quelques tours mais qui reste en jeu. Allez, Jérémy Micou, et vous voyez la petite bandelette blanche qui a bougé, le tir ne sera pas validé. Échec pour Jérémy Micou. Oui, donc là je pense que. Qui était à 4 sur 5. Hein. Ouais, enfin. Qui était, ou qui était, et qui. Qui est à 6 sur 8. À 6 sur 8 maintenant. Donc là je pense que Greg va aller tirer en prenant du but. Et tentative d'annulation. Ouais. Annecy qui est en retard dans cette quatrième main. Je dis une bêtise. Jérémy, il est à 5 sur 7. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est frappé pour Greg Chira qui lui a pas une boule faute encore hein, depuis le début de la partie, que ce soit au tir ou au point, tout a été. Tout a été réussi. Allez, Fred Poyet pour redonner l'avantage dans cette quatrième main aux roses de Genelard. Vous voyez qu'il n'a pas été très en réussite
jusqu'à présent. Et là, il va être un peu court, Fred Poyet. Encore, hein, alors, il a certainement repris, mais... La boule est pas prêt. Allez, dernière boule à jouer pour Annecy. Pour Greg Schira. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Il est bien sorti. Et les deux dernières avec Sébastien Graille. Ça va sans doute permettre à Genelard de se reprocher. Du moins de marquer au moins dans cette passe. Condition évidemment que Sébastien Graille écarte cette boule de Greg Schira. Ouais, bien joué de la part de Sébastien Graille. Il va avoir une dernière boule à jouer pour Genelard, peut-être pour ajouter un deuxième point. C'est Fred Poyet qui va jouer la dernière boule des roses dans cette quatrième main pour peut-être permettre à Genelard de revenir à une longueur. Allez, on va la suivre cette boule. Est-ce que ça va rentrer dans les points? Oui. Oui, ça va rentrer. Ça va faire deux ça points. Ça va faire deux points pour, la pour Genelard pour dans Genelard. Cette nouvelle main et permettre eh bien, à... Genelard doit revenir à un point seulement d'Annecy, 4-3 désormais pour les Hauts-Savoyards. On vient dans quelques instants ici au pôle sportif Chazelois pour suivre cette affiche entre Genelard et Annecy. À tout de suite. Allez, retour au pôle sportif Chazelois avec le président de l'AS Chazel Viricel et également du pôle sportif Chazel Bellegarde en Forêt, Maxime Venet. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Merci beaucoup d'être présent à notre micro pour venir, et eh bien évidemment, on imagine exprimer votre fierté d'être au rendez-vous de cette Ligue Sport Boulémain et d'avoir pu accueillir et d'accueillir cette compétition dans de si belles conditions. Voilà, bah c'était, comme on s'était dit l'autre jour, c'était un peu un challenge pour nous de pouvoir organiser une étape de la Ligue à moins pour un jeune boulodrome qui a une bonne année, c'est tout. Et un petit peu de stress, et puis on voit ce soir que le public en attendait a répondu nombreux, et puis que notre boulodrome est relativement prêt pour accueillir cette compétition. Ah, il est magnifique, c'est Nathalie Bernard qui nous le disait tout à l'heure, cet endroit, comme toutes les personnes qui le découvrent durant ce week-end, ce pôle sportif Chazelois qui a tout juste un an, c'est ça? Voilà, on a eu un an en février, donc l'année passée nous avions accueilli la Ligue F1, pour s'entraîner un peu, puis cette année la Ligue M1, une étape de plus. Ben, ce qui nous fait une super renommée pour notre commune de Chazelles-sur-Lyon, qui a énormément investi dans ce projet, qui nous soutient continuellement en plus dans nos organisations. On peut remercier M. le maire et
c'est une équipe municipale. On aura l'occasion d'avoir demain le maire de Chazelles-sur-Lyon, Pierre Véricel, qui était présent déjà aujourd'hui, qui est très impliqué, attaché également au sport local. Il y a plein d'autres sports. D'ailleurs, ce pôle sportif chazellois n'accueille pas seulement le sport boule, hein, également d'autres disciplines, voilà, comme les sports de combat, le judo en particulier. Le judo, qui est sous l'égide de la Maison des Jeunes, qui se situe juste à côté du nouveau Vélodrome, ce qui nous a permis de faire cette construction mutualisée, on dira. Et l'entente se passe très bien, donc une réussite. Un petit mot, Maxime, sur votre club, l'AS Chazelles-Viricel, qui aussi regroupe 300 adhérents, hein, et qui ne se limite pas seulement à la boule lyonnaise. Oui, nous avons toujours eu une section de gym qui nous permet d'évoluer maintenant dans le dojo en se mettant d'accord avec la Maison des Jeunes. Nous avons une section marche aussi qui fonctionne bien le jeudi après-midi. Et puis beaucoup de convivialité où les gens viennent pour passer un moment agréable et se retrouver, jouer aux cartes, au Scrabble, on peut faire tout ce qu'on veut. Et puis faire la partie de boule amicale l'après-midi aussi. Voilà, et avec évidemment cette possibilité maintenant aussi de faire de la compétition depuis ce rapprochement avec le club de Bellegarde en Forêt, qui avait la saison dernière une équipe, hein, en Ligue Sport Boule et Main, celle de Frédéric Mioto. Celle de Frédéric Mioto qui est redescendu, qui joue en Ligue M2 maintenant. Et nous avons deux équipes avec Jean-Pierre Beauregard et Jean-Pierre Roux, qui sont aujourd'hui à Montélimar d'ailleurs, pour les M2. Ouais, on aura l'occasion demain d'accueillir le coprésident de ce pôle compétition Chazelles-Bellegarde en Forêt, Jean-Paul Chevalier, qui sera présent demain. Merci beaucoup en tout cas, Maxime Venet, et un grand, grand merci surtout pour l'accueil et l'organisation de cette étape. On est très impressionné par tout ce qui est fait depuis notre arrivée cet après-midi. On sent une vraie ambiance d'équipe, et puis il y a un lieu magnifique pour la pratique, tous les joueurs depuis qu'ils sont arrivés. Là, on a les yeux grands ouverts pour profiter du spectacle. Eh bien, merci à vous, puis que le week-end se termine bien. Eh bien, on va évidemment se régaler en tout cas avec cette première étape. Merci beaucoup, Maxime Venet, d'être venu. On se régale avec cette première partie de groupe que vous pouvez suivre depuis 20h45 entre Annecy et Génard, qui tient toutes ses promesses. Et on va se régaler jusqu'à samedi 18h, on le rappelle, la finale qui est à suivre en direct sur Sport en France, cette finale de la quatrième étape ici à Chazelles-sur-Lyon dans la Loire. On est à près à une trentaine de kilomètres de Saint-Étienne, pas très loin non plus de Montbrison, dans cette ville connue notamment pour ses chapeaux. Nathalie, je ne sais pas si vous portez des chapeaux. Alors moi non, ça me va très mal en plus. Mais oui, je sais que c'est réputé pour les chapeaux, puisque le Grand Prix, alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore, mais le Grand Prix qui a lieu au mois de juin s'appelle le Grand Prix de la, enfin, ou s'appelait le Grand Prix de la Chapellerie. Allez, cinquième mène. Pour l'instant, 4 à 3 hein, pour Annecy face à Genlard. Vous le voyez que Nice se détache face à la Mode Servolex. Mène 6 à 2 désormais. Bon, a marqué son premier point face à Aix-les-Bains, 8 à 1. 7-0 toujours pour Génissieux face à Plaine de Lin. Fontaine qui mène 5 à 2 face à Bourg-Saint-Andéol. Toujours 4 à 2 pour Lyon face à Lagnieu. Alors, malgré le 7-0 de Génissieux, il y a eu un changement dans l'équipe. Je ne sais pas le pourquoi du comment, je n'ai pas suivi, parce qu'en menant 7-0, je ne comprends pas trop, mais bon. Alors, il me semble. Je vais essayer de ne pas dire de bêtises, je ne vais pas faire comme toi, Cyril. Ça, c'était facile. Que c'est Mathieu Dieudonné qui est entré à la place de Fabien Durand, si je ne me trompe pas. Parce que je ne vois plus Fabien sur le jeu. Et 8-1 désormais pour Aix-les-Bains face à Bron. Et
Alors que Fred Poyet va essayer de reprendre là pour Genelard, qui est bien revenu, a été importante hein, cette main 4 pour Genelard pour fait. Se relancer. Après trois premières mains difficiles. Ça semble fort là pour Fred Poyet, mais ça oh, va le joli quand même ce boule. Hein. Lyon qui se détache, 6-2 désormais, face à Lagneux. Et on est entré dans la dernière heure de ces premières parties de groupe. On rappelle, hein, trois parties de groupe pour permettre d'établir un classement entre les quatre équipes. Le premier de chaque groupe sera qualifié pour les demi-finales demain en début d'après-midi. Les deuxième et troisième disputeront des parties de classement. Ce sera fini en revanche pour le quatrième qui rentrera directement à la maison. Voilà, Greg Chirac qui a frappé mais qui a eu le contre sur la boule de Pascal Persico. Bon, en même temps, elle n'était pas très jolie, donc c'est pas très grave. Mais bon, elle avait qu'à pas être derrière. Mais je crois que c'était déjà un contre d'une boule d'avant. C'est Jean-Claude Benoît qui va prendre la suite. Il y a un beau match hein, également entre Fontaine et Bourg-Saint-Andéol. Vous voyez 5-2 pour l'instant pour les Isérois, l'équipe de Jérôme Levieux. Une belle boule encore de Jérôme. Ouais, magnifique. Magnifique boule là de Jérôme Benoît. Mais c'est Sébastien Graille qui va aller défendre son point. Ouais, Sébastien Graille qui n'a pas été très en réussite sur sa précédente boule de tir. On le revoit, le tir de Sébastien Graille. Toujours pas en réussite non plus sur celle-ci. Ah, mais qu'est-ce qu'on avait annoncé là, parce que oh, pas très bien. Il semblait pas. Ah, si, mais je croyais qu'il remettait la boule en place. Alors, je comprenais pas trop. Mais si, ils ont bien remis la boule en place. Allez, c'est valé. Sébastien Graille qui repart. On a pas bien vu le. Allez, second tir pour Sébastien Graille. C'est touché. Cette fois-ci, c'est frappé. Ouais. Et on avait certainement annoncé du but. Ouais, puisque cette main est annulée, c'était compliqué à suivre là pour nous. Ouais, ouais là, j'ai pas compris la boule d'avant, donc bon. J'ai l'impression que c'était largement bon, mais finalement, c'était largement pas bon. Ouais. Et on va rester en tout cas avec ce score mais de bon. 4-3 pour Genelard. On revoit ce tir de Sébastien Graille. On va marquer une petite pause, faire un honneur à nos sponsors et on revient dans quelques instants au pôle sportif Chazellois. A tout de suite. Tonic Radio. Bonjour et bienvenue sur Tonic Radio comme chaque matin pour vous accompagner dans la région. Et tout de suite, un point complet sur l'actualité locale et sportive sur Tonic Radio. Bravo, Tony. Merci, Tonic Radio, vous êtes les meilleurs. Tonic Radio. Hit et pop musique. Allez, retour
au pôle sportif Chazellois. On est dans la Loire pour cette quatrième étape de la Ligue Sport Boule M1. Après la première étape à Mâcon en Saône-et-Loire, après la deuxième étape dans l'Ain à Saint-Vulbas, la troisième sur le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Place donc à cette quatrième étape à Chazelles-sur-Lyon qui marque une accélération, Nathalie, dans le calendrier de cette Ligue Sport Boule M1. C'était seulement il y a 15 jours, cette belle victoire des Lyonnais sur leur terre. Et bien, dans une semaine, on sera en Isère du côté de Saint-Quentin-Falavier. Tout à fait, ça s'enchaîne. Pour la dernière étape en intérieur, ensuite on passera du côté de l'extérieur pour les 5 dernières étapes de la compétition. On ira à Cavalaire-sur-Mer dans le Var à la fin du mois d'avril du côté de Joyeuse en Ardèche qui va remplacer cette étape celle de Bourg-Saint-Andéol. Ça sera les 3 et 4 mai à Saint-Michel-Maurienne, les 24 et 25 mai à Villefranche-sur-Saône, les 31 mai et 1er juin, et puis cette compétition, cette édition 2024 qui s'achèvera à Aoste dans l'Isère les 7 et 8 juin par un joli feu d'artifice pour savoir qui succédera à l'équipe d'Anthony Percherancier qui avait été sacré la saison dernière sous les couleurs de la métropole de Lyon qui évolue cette année sous le nom de Genelard et qui pour l'instant est mené 4 à 3 par Annecy dans cette affiche de la soirée. Belle reprise encore de Pascal Persico. Et on parlait de Joyeuse qui accueillera donc l'étape les 3 et 4 mai. Joyeuse qui était bon dernier avant la troisième étape avec 0 points, qui a été demi-finaliste à Lyon-Croix-Rousse et qui semble bien parti dans une affiche de premier plan face à Mauriette Galibier. L'équipe de Joyeuse qui est privée notamment ce week-end de Romain Garnier, son tireur, qui malgré tout eh bien, pour l'instant fait une bonne entame de partie. Christophe Rennes lui aussi est dans son match. Oui, oui. Christophe Rennes, il a 9 sur 10 dont un but. Donc, voilà. Christophe Rennes fait du Christophe Rennes. Vous l'appelez Christopher Rennes maintenant. Christophe, c'est pardon. Côté un petit peu américain, pardon. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est surtout ardéchois. Pascal Persico qui va prendre la suite. Une jolie boule, hein, il semble. Ouais, magnifique, ouais, ouais. Pascal Persico, là, on commence à trouver la distance et le bon chemin des deux côtés. Qui va bien également face à la mode Servelex. Belle affiche aussi. La mode Servelex qui retrouve Guillaume Abelfo qui était absent à Lyon. Et c'est encore frappé pour Christophe. 10 à 11. 10 sur 11. C'est ça. C'est bien. Tu suis, Christophe. Tu suis, Cyril. Christophe. Tu dis des bêtises et voilà. J'en dis aussi. Oh, je te suis en fait. On voit ce tir là de Christophe Rennes. J'ai l'impression que Plaine de Lin va marquer ses premiers points. Allez, la première boule de Jérôme Benoît dans cette passe. C'est très bien joué, ouais, encore. Bravo, hein. Jérôme Benoît aussi. Ah, ça se précise des deux côtés maintenant. On a pris désormais la mesure du jeu numéro 1. Les deux pointeurs, vous le voyez à l'image, Jérôme Benoît et Pascal Persico. On a pris le grain, comme on dit. Ouais,
Sébastien Graille. Ouais, ça sera court, il n'est pas en réussite hein, pour l'instant, non, hein, Sébastien. Non, Sébastien, il... ça va pas très bien. Il reste du temps, évidemment, hein, voler plus de 50 minutes pour être présent au bon moment. Parce que pour l'instant, le score est très serré, 4-3 seulement pour Annecy. Et les deux premiers points, en effet, de Plaine de Lin, qui est mené toujours 7-2 par Génicieux. Morgane Galibier, je crois, qui met son premier point également, 4-1 pour Joyeuse. Il n'y a pas assez de salle, on ne peut pas bien remettre la boule en place. Allez, seconde chance. Sébastien Graille. Je ne sais pas s'il y a une annonce du but avec ou pas. J'ai pas fait attention. Il s'est frappé. Et il y avait bien l'annonce du but avec. Eh bien, nouvelle annulation dans cette partie. On va rester à 4-3 pour Annecy. Avec cette annulation réussie cette fois par Sébastien Graille. On la revoit. Génelard qui était en retard et qui reste donc avec un petit point de retard sur les Hauts Savoyards d'Annecy. Et vous le voyez sur les autres jeux du public dans les tribunes, dans ce magnifique décor du pôle sportif Chazellois, avec Fontaine qui mène toujours 5-2 face à Bourg-Saint-Andéol, toujours dans ce même groupe, avec Plaine de Lin qui est revenu désormais à 2-7 face à Génicieux, Aix-les-Bains qui mène 8-1 face à Bron, Nice qui mène 6-2 face à la Motte Servolex, 4-1 pour Joyeuse face à Maurienne Galibier, 4-0 pour la Côte-Saint-André, l'équipe de Gérard Gondran face à Saint-Vulbas, et Lyon qui mène 6-2 face à Lagneux. Voilà pour les scores à moins de 50 minutes de la fin du temps réglementaire. Je crois bien que Saint-Vulbas va ouvrir son score. Il me semble que c'est Alex qui va jeter le but. C'est ça. Alex Chira, évidemment. Alex Chira, bien sûr. Et c'est Sébastien Jarige qui lance comme d'habitude cette main pour Génelard. Ah, un peu loin sur le côté, 60. Pas très jolie celle-ci. Il est pas content, Sébastien. Non. Mais on voit bien que le jeu il retombe sur la gauche quand même. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, on part un peu à gauche de ce côté-là. De Plaine de Lin, c'est Gérard Condreau qui a remplacé Thierry Michel. Gérard Condreau qui était présent également cet après-midi pour disputer le gentleman. Gérard Condreau, champion de France également avec Saint-Vulbas des clubs. Tout à fait. Ouh là là, quel persico, il a envoyé un zingue. Un moment qui ne nous avait pas gratifié d'une boule moche, on va dire. Et Cédric Roche au tir pour Fontaine. Et le premier point pour Saint-Vulbas en effet. Allez, deuxième tentative pour Pascal Persico. Ça sera
sera mieux, hein. Ça sera même beaucoup mieux pour Pascal Persico. Ce sera largement, ça pouvait pas être pire. Non, c'est vrai. Pascal, il se manque jamais deux fois. Déjà qu'il a du mal à se manquer une fois, alors deux fois. Christophe Rennes va aller au tir. Ouais, c'est pas manqué non plus lui. Hein. Pour Christophe Rennes qui assure le spectacle et qui a reçu les ovations du public. Très joli carré. Du pôle sportif Chazellois. Magnifique carreau. On va se le mettre de côté ce carreau là de Christophe Rennes. Ouais, super magnifique reprise. Ah ouais, magnifique. On est en montée d'un cran des deux côtés avec Jérôme Benoît là. Magnifique début de septième main là avec ce carreau suivi de cette reprise de Jérôme Benoît. Tranquille, Jérôme Benoît. Oh bah, Jérôme, il est toujours tranquille. Hein. J'ai jamais bien vu speed, on va dire. Grosse partie là de Christophe Rennes. Elle reste dans le jeu en plus. Ça boule. Et un petit point pour Lagneux qui revient à 3 points de Lyon. 6-3 pour l'équipe de Xavier Majorel. C'était bien joué encore pour Jérôme. Hein. Il est légèrement vite, c'est tout. Hein. La boule était belle. Hein. Jérémy Micou. Ouais, c'est bon qui est là pour Jérémy. Oh, puis il est haut. Hein. Ils sont en retard, Anti, dans cette septième main. Oh, oui. S'y coller, va tirer la boule. Allez, Chira. Frappé. Ouais, ils sont pas contents là. Côté d'Annecy là. Ouais, mais bon, je vois pas. Ouais,
Ah oui, ils sont pas contents parce que le but il est pas sorti. Ah. Le but il est annoncé et il est tout là-bas au fond du jeu. Et hey, ça va compliquer évidemment les affaires d'Annecy, oui. Vous voyez. Avec voilà pourquoi. Alors on verra peut-être sur ce plan, on le voit sur le plan large. Vous allez avoir l'occasion peut-être de le voir là sur cette tentative de Jérémy Kou qui va essayer d'allonger évidemment le jeu pour aller reprendre le point. Oui, on a repris le point, mais on n'est pas très près. Hein. Regardez là, sur ce plan large, vous le voyez le but. Forcément, Génard, ils vont aller tirer. Hein, il leur reste 5 boules. À droite. 5 boules, il ne reste plus qu'une boule à Grégory Chira. On ne va pas s'embêter. Hein. Le pet est bien en réussite, ouais, effectivement. C'est Sébastien Graille. Qui va au tir. Et c'est frappé. C'est frappé. Bravo Sébastien. Une boule contre 4. Et la dernière boule pour Annecy à jouer là. Ça va être compliqué cette semaine là pour Annecy. Oui. Il faut déjà passer toutes les boules là qui sont devant. C'est parti là pour Greg Chirac, essayer de mettre de plus de force possible. Qui va toucher, qui a été ralenti, il va passer, mais. Enfin déjà il est passé, c'est déjà pas ouais. Mal. Hein. Il a fait un peu de place du coup. Il a tiré la boule, il a tiré deux fois, non ? Non ? Ouais, en tout cas, discussion entre Fred Poyet et Sébastien Jarrich, peut-être pour trouver. Pour aller pointer là, d'abord. Okay. On revoit justement la tentative là, de Greg Chira, qui s'est frayé un chemin. Moindre mal pour Annecy là. On va aller au point du coup hein, avec Sébastien Jarrige. Ouais. Et 6 partout entre la Motte Servolex et Nice. Oula, beaucoup de la Motte alors ouais. Parce qu'ils étaient 2-6. Match important évidemment dans ce groupe. Figure Morgane Galibi et Joyeuse aussi. Allez Sébastien Jarrige, est-ce qu'il va reprendre le point? Tant qu'elle s'arrête. Hein. Il a repris, vous voyez, la ligne ouais, pour signaler la fin du jeu. Là, on était au bout du bout, là, pas loin pour Sébastien Jarrige qui a repris. Et c'est Fred Poyet du coup, qui va jouer la dernière. Qui va, et puisqu'il n'y a plus de boules hein, pour Annecy, évidemment. Il reste 3 boules, vous voyez, maintenant pour Genelard qui a déjà un point. Il reste 2 boules à Frédéric Poyet, 2 boules à Sébastien Graille, il me semble. Alors, Plaine de Lin qui a marqué un point supplémentaire. Ah, qui gratte petit à petit son retard, qui revient à 4 points maintenant. Il reste du temps pour l'équipe d'Olivier Monceny. On va suivre Fred Poyet là. Mène importante dans ce duel entre Genelard et Annecy. Est-ce qu'il va compter ? Oula, ça semble fort, ça semble fort. Et elle va sortir cette boule là pour Il Fred a bien Poyet. Failli faire il sortir failli faire celle sortir, de ouais. Sébastien en plus. On reste à un point pour l'instant pour Genelard, mais vous voyez, il ne tient qu'un fil. Hein, le point là, ah il oui, oui. A touché. Il me semble bien que Frédéric a fait signe à Mickaël Hébar. Allez, on va suivre. On va laisser d'abord. Jouer le terrain voisin et Luc Héral qui continue de casser des boules. C'est parti pour Fred Poyet. Est-ce qu'il aura un peu plus de réussite que tout à l'heure? En tout cas, il va pas être. Ah, c'est mieux ça ouais. Déjà. Celle-ci, elle est mieux. Et ça fait 2 points pour l'instant pour
Genelard qui repasse devant, peut-être un troisième. Si Sébastien Gray parvient lui aussi à trouver le bon chemin. Et 12-1 désormais pour Aix-les-Bains face à Bron. Ça sent bon la victoire pour Aix-les-Bains. Alors, est-ce qu'elle va passer? Oula, elle comptera pas celle-là. Ah non, on va rester à 2 points pour Genelard qui reprend quand même l'avantage dans ce duel à l'issue de cette 7e main pour mener 5-4 désormais face à Annecy. Nathalie, pour l'instant, c'est un chassé-croisé, un vrai mano à mano entre les deux équipes. Hein. Tout à fait, tout à fait. Du coup, bon, alors Fred Poyer finalement ne va pas sortir. Ça discute. Finalement, il va rester sur le jeu. Après discussion avec, avec Mickaël Aymar. Mickaël Aymar qui lui a dit non, non, vas-y, joue. Moi, je suis confortablement assis dans les tribunes à côté de mon frère qui joue donc lui à Aix-les-Bains et qui est aussi remplaçant. Donc, petite discussion en famille là-bas sur le banc. Jonathan. Et 11-4 hein, désormais pour Lyon face à Lannieux. Lyon, on le disait, hein, qui reste sur une très très belle performance à domicile à la Croix-Rousse et qui est en train de bien entamer cette 4e étape. À 35 minutes de la fin du temps réglementaire, 12-1 donc pour Aix-les-Bains, l'équipe de David Martin qui fait une très très belle opération pour l'instant ce soir là face à Bron. C'est bien envoyé là, c'est bien envoyé. Ouais, très joli boule encore de Sébastien. Sébastien Jarige et Jérémy Mico qui va partir au tir. Ça va être très très serré, ça va jouer à rien ce duel, hein, Nathalie, entre Genelard et Annecy. Ah, bien tiré de la part de Jérémy Micou qui sert le jeu au bon moment pour Annecy. Et on va repartir au point pour Sébastien Jarige. Elle a été effacée cette boule par Jérémy Micou. Une incroyable amplitude. C'est ça. Micou. Il n'est pas très à son aise hein, quand même. En début de barre comme ça. Il est très grand. C'est pas simple pour lui. Sébastien Jarige. C'est encore bien joué. Jérémy Micou tire et c'est à nouveau frappé. C'est à nouveau frappé, félicité par Pascal Persico. Main importante évidemment pour Annecy qui est repassée derrière. C'est manqué pour Julien Moulager, pour Saint-Andéol qui, vous voyez, mène 6-5 désormais face à Fontaine. Très serré également, ça semble, ce groupe-là va se jouer à pas ouais, grand-chose. Ouais, hein. ouais, mais c'est un très gros groupe. Hein. Et les vainqueurs du soir ne seront pas forcément assurés de jouer les premiers rôles demain. Pas beaucoup d'écart au niveau du goal average, donc ça se jouera également lors des deux dernières parties dans ce groupe. On le savait très proche. C'est très serré également dans le groupe entre la mode Servelex Nice, Maurienne Galibier et Joyeuse. Après, elle est pas mal sa boule, elle est un petit peu passée derrière, mais bon, elle est là quoi.
d'avoir fait cette bouteille sur le jeu 2 parce que l'idée de savoir qu'est-ce que vous avez pour finir cette semaine face à vos partenaires. Cédric Roche a fait le ménage. Et Pascal Persico va pouvoir repartir au point. Allez, vraiment, les ouais, la boule, Frédéric Poyer est légèrement derrière. Donc, on va tenter la reprise. Elle est jolie, sa boule. Mais... Allez, bien joué, voilà. Pascal Persico. Elle vous plaît, cette boule, Nathalie? Ah oui, bah oui, elle est jolie. Et devant, elle est parfaite. Ah, n'hésitez pas, hein, demain en tout cas, à venir faire un tour au pôle sportif Chazellois. Magnifique lieu de sport boule. Ça va devenir un vrai lieu de référence désormais dans le sport boule national. Ce lieu-là, ce pôle sportif Chazellois qui a été ouvert il y a un an, qui a accueilli la Ligue F1. Qui accueille donc ce week-end la Ligue Sport Boule les mains. Ah. Un échec pour Christophe Rémy. Avec demain, une belle journée remplie. Dès 8h, hein, partie de groupe avec 10h45, les deuxièmes et troisièmes parties de groupe. On connaîtra les noms des quatre demi-finalistes. Demi-finale en début d'après-midi à partir de 14h30. Et la finale à suivre à 18h en direct sur Sport en France et à retrouver en replay sur l'équipe live et sur Sport en France, évidemment. Je remercie également France Bleu, hein, qui est présent tout au long du week-end ici, qui avait mis ses studios, ses quartiers aujourd'hui au pôle sportif Chazellois avec une journée spéciale. Génard qui est debout en retard pour l'instant face à Annecy. C'est une belle mèche pour Fontaine sur le terrain 2 qui va profiter pour reprendre le tête de la rencontre. Et le chassé croisé se poursuit également entre Fontaine et Bourg-Saint-Andéol. Hein. Fontaine est repassé devant. Ah oui. Pascal, il a fait la reprise puisque Christophe Rennes a eu légèrement le compte sur la boule de Sébastien Jarige. Pascal a repris, elle n'est pas sur le but, mais elle est devant, elle est jolie, elle est à 40 devant. Oh bon, on va même aller la tirer. Donc. Ouais. Avec Sébastien Graille, 9 à 6 désormais pour Fontaine face à Bourg-Saint-Andéol. C'est très très serré dans ce groupe. Tir important là pour Sébastien Graille. Génard est en retard. Frappé pour Sébastien. Les deux équipes qui s'étaient affrontées 4 fois la saison dernière. Et eh bien, l'équipe de Sébastien Graille qui l'avait emporté 3 fois face à Annecy. Notamment eh bien, lors de la finale à Saint-Vulbas de la 4e étape. Victoire 13 à 9. Annecy s'était imposé à Pont-de-Claix 11 à 5 et les coéquipiers de Sébastien Graille l'avaient emporté de nouveau à Saint-Vulbas en groupe lors de l'étape numéro 6 et puis lors de la fameuse finale à Davézieux qui avait sacré donc l'équipe de Philippe Simonet 10 à 6 à l'issue d'un final incroyable. Et là, elle est un peu courte cette boule. Celle-là, elle est moche. Ouais. Oh, Jérôme Benoît, ouais, qui s'est un peu manqué là. Ah oui. Et qui va repartir directement jouer sa seconde boule. Bon, en même temps. Il va même pas aller voir ses, non, bon, c'est ses camarades. Pas la peine. Hein. Il a bien vu qu'elle était moche celle-là. Ouais. Et la victoire moche de Lyon face à Lagnieux, 13 à 4. Première équipe à s'imposer ce soir. Donc
Voilà, c'est repris cette fois-ci pour Jérôme. Jérôme qui est en train de se dire, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup, on renvoie Sébastien Gray au tir. Sébastien Gray qui va tenter l'annulation. Face à Génifié qui mène 7 à 6. Pleine de 1 suite à une frappe au but de Sébastien Bourg revient à 6 à 7 contre Génicieux. Allez, avec Lyon donc qui s'est imposé, première équipe à s'imposer ce soir face à Lannion, 13 à 4, toujours 5 à 4 entre Génelard et Annecy. Et Xavier Majorel qui nous a rejoint. Quelle magie du direct, quelle rapidité. Xavier, pour nous rejoindre et puis pour s'imposer ce soir, ça va bien pour les Oranges de Lyon? Oui, mais on est bien content de bien entamer cette étape parce que bon, on reste certes sur une victoire d'étape, mais on repart de zéro, donc c'est important de bien jouer cette première partie et puis de l'emporter. Bravo en tout cas Xavier, hein, vous nous avez régalé il y a 15 jours à la maison, dans ce magnifique boulodrome des Cagnoux, on se sent si bien. On imagine que vous prenez aussi énormément de plaisir à évoluer sur ces jeux, ici dans ce nouveau pôle sportif chazélois. Vous le connaissiez ce pôle sportif ? Alors, pour tout vous dire, ce pôle sportif, il est à 200 mètres de chez mes beaux-parents. Voilà, c'est pour ça. Alors, je suis passé devant plusieurs fois, mais je n'étais toujours pas entré. Donc, c'est ma première dans ce boulodrome, qui est magnifique, hein, très, très lumineux. Et après, bon, la qualité des jeux, là, on a joué sur une extrême. Je ne pense pas que ce soit le meilleur des jeux, mais bon, on a tiré notre épingle du jeu. Alors parlez-nous un peu de cette équipe lyonnaise qui va bien, hein, qui a signé une belle performance à la maison, qui s'est bien replacée au classement. On imagine que votre équipe est libérée après cette victoire lors de cette troisième étape. Ça donne évidemment du bonheur à toute l'équipe. On a vu quelques photos, quelques images aussi de la joie collective. Et puis ça donne peut-être aussi des idées pour la suite de la compétition. Alors c'est vrai que les deux premières étapes avaient été plutôt laborieuses. Donc on avait réussi quand même à gagner quelques points qui, je pense, seront importants au final parce que on voit bien que au final ça peut se tenir à quelques points entre les équipes. Donc il ne faut pas cracher sur ces points. Mais bon, à la maison on a su hausser notre niveau de jeu. Après ça s'est bien passé aussi. On perd la première partie vendredi soir dans le groupe où on était. On voyait quand même les choses mal engagées. Le lendemain, on gagne contre Montcenis 4 à 3. Ouais. Si le score est inversé, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Donc voilà, je crois qu'il faut rester humble parce que le niveau est très proche entre les équipes et il n'y a rien de joué d'avance.
Ouais, mais alors dans cette finale, Xavier, excuse-moi, mais je crois que tu as été un grand acteur de cette finale quand même. J'ai eu la joie, alors j'ai pas eu la joie de la commenter, mais j'ai eu la joie de la regarder sur Sport en France en direct. On peut dire merci Xavier quand même dans cette finale, parce que alors je sais pas combien tu as annulé de buts, mais ça a été énorme. Oui, quelques-uns, c'est vrai, entre la demi et la finale. On est tombé sur un bon jour. On imagine qu'on prend un plaisir énorme, ouais, Xavier, quand on joue comme ça, en plus à la maison, c'est pour ça aussi qu'on joue au très haut niveau, c'est pour des week-ends comme vous l'avez vécu à Lyon. Ah oui, c'est sûr que ça fait plaisir, quoi, parce que c'est une victoire d'un collectif aussi, où chacun a bien joué son rôle. Dans sa spécialité, dans son poste, au tir de tête, on a alterné avec Eddy et Patrick. Donc moi, je suis passé tireur second à partir du samedi, et au point devant, Jean-Luc Bertrand, donc qui a joué demi et finale, ouais. S'en est plutôt bien sorti. Jusqu'à la demi-heure de la fin, quoi, de la finale. Mais sinon, il a tout à fait tenu sa place. Et puis, quand Fabien a joué ou a dû rentrer, c'est pareil, ça a été parfait. Donc, l'équipe a vraiment joué de manière complémentaire. Vos coéquipiers nous disaient votre remplacement en tireur en second aussi, ça a été une des données importantes du week-end. Oui, alors c'est vrai que c'est le poste que j'affectionne le plus en cadrette. Maintenant, il faut être bien, faut pas avoir de petits soucis physiques. Moi, on sait que ma fragilité, c'est du côté du tendon d'Achille. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je touche du bois, il me laisse tranquille. J'espère que ça pourra encore durer quelques temps. En tout cas, merci beaucoup, Xavier, d'être passé aussi rapidement à notre micro. On va vous laisser tranquillement regagner, donc pas très loin d'ici, on imagine, ce soir. Non, je vais rentrer chez moi, j'habite à une demi-heure. Donc, une demi-heure, voilà, tranquillement. Pour demain matin, on rappelle, avec un très, très, une très très belle partie à suivre, ce sera un duel face à Saint-Vulbas. Didonna. Ouais, Saint-Vulbas, Didonna, demain à 8h. Hein. Il faudra être bien réveillé, parce que ça va être une partie également importante. Face à deux formations qui jouent les premiers rôles cette saison, Nathalie. Exactement. Deux formations. Alors bon, on sait que l'équipe d'Idona est un petit peu handicapée, on va dire, entre guillemets, et ils sont surtout que quatre, hein, ils sont sans remplaçant. Donc voilà. Et puis effectivement, deux équipes qui jouent le haut du classement. Donc une belle partie aussi demain matin à venir voir ici à Chazelles-sur-Lyon. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Xavier Majorelle, d'être venu. On vous souhaite une bonne fin de soirée, vous reposez-vous bien et continuez de nous régaler demain. On va essayer. Merci. Merci. Au revoir. Merci Xavier. Voilà, merci à Xavier Majorelle qui est venu rapidement à notre micro après cette victoire express de Lyon face à Lagneux de Lyon, l'équipe de Xavier Majorelle, la team orthodontie. Est la première équipe à remporter ce soir les 4 points promis au vainqueur d'un match de groupe. Et un nouveau tir réussi de Christophe Rennes. Bien sûr, il avait eu un échec avant. Oui, et il a le droit de temps en temps. Hein. Ouais, c'est rare. C'est tellement rare que du coup, quand il en fait un, ça surprend tout le monde. Et la plaine de l'Ain revient à un point de Génicieux. Est-ce qu'ils ne seront pas partis de trop loin, les joueurs de Olivier Monceny? Est-ce que Génicieux, l'équipe de Rémi Martinez, qu'on retrouvera demain matin face à Bron, va réussir à conserver son maigre avantage qui font comme neige au soleil? Vous le voyez, un point désormais, alors que Génicieux menait 7-0. 9-6 désormais pour Nice face à la Motte Servolex. Un autre match très serré. 6-4 désormais pour Maurienne Galivier qui était menée 4-0 par Joyeuse. Ça aussi c'est un retournement de situation et vous le voyez 5-4 toujours donc pour cette partie qu'on suit. Genelard, Annecy avec Sébastien Graille au tir dans cette 9e mène. C'est à nouveau frappé pour Sébastien Graille. Ouais, ça va mieux pour Sébastien. Ouais, il n'a pas été très en réussite sur ses 5 premières boules et ça va mieux. Ça va mieux maintenant.
Ils vont avoir besoin évidemment, Gennard, de Sébastien Graille dans ce Money Time qui s'annonce. On va tout doucement entrer dans le dernier quart d'heure. On n'est pas loin de... Là, il va rester deux mains hein, quasiment à jouer. C'est ça. Je ne dis pas que des bêtises, Nathalie, vous voyez. C'est grâce à votre présence. C'est parce que tu côtoies des personnes. Des professionnels. Voilà, c'est pour ça. La belle boule de Jérôme Benoît. Et c'est très serré, hein. Il y a beaucoup de suspense quasiment sur tous les jeux, si ce n'est Xlebin, hein, l'équipe de David Martin. Tout à fait. Qui fait pas de bruit, l'équipe de David Martin, mais qui pour l'instant eh bien, gagne des points. On le disait que c'était une équipe qui serait en difficulté pour se maintenir. Elle montre qu'elle a le niveau, l'équipe d'Aix-les-Bains. Allez, on va tenter une annulation du côté de Genelard. Avec Sébastien Graille. De boule 2, point par terre pour Annecy. On va essayer de se maintenir devant. Ouais, et c'est réussi, bravo. Et c'est à nouveau frappé. Sébastien Graille qui... C'est son quatrième but hein, dans cette partie, Sébastien Graille. Ouais, il s'est reposé à la Croix-Rousse, enfin il s'est reposé. Il a quand même organisé l'étape, donc, mais il retrouve les terrains avec bonheur. Sébastien, bravo à lui. Personnage évidemment incontournable hein, du sport boule. Oui, tout à fait. Alors après, organiser, je suis pas sûr que ce soit de tout repos, peut-être mieux jouer aussi. Je sais pas. Hein. J'ai jamais fait une Ligue Emma, mais. Mais je pense qu'au niveau organisation, ça, je maîtrise plus et c'est pas de tout repos. Et on rappelle hein, que ce week-end à la Croix-Rousse, il y avait lieu également une étape de Ligue F1 le lendemain. Tout à fait. Qui a été remportée d'ailleurs par Florian Amar. Exactement. Qui, elle, aura fait le week-end au micro et le lendemain, c'est ça. Remporté cette Ligue F1, cette étape, cinquième étape de la saison après une finale. Un rebondissement face à la formation de Colline Levieux. Oui, parce qu'il de me Fontaine. Semble qu'elles étaient très très mal engagées très, dans cette partie mal, oui. Et il y a eu un retournement de situation. Oui, mais cette équipe de Colline Donc, Levieux. Donc bravo qui, à elle. Ouais, ouais, bravo à elle. Et puis cette jeune équipe hein, emmenée par Colline Levieux qui est en train de prendre de l'expérience et qui n'était pas loin de sa première victoire en Ligue F1. Cette Ligue F1 qui est menée donc toujours par l'équipe de la Bécurie de Florian Amar avec Brune Lenoblet et Pauline Gouillou. Qui devance vos coéquipières hein, Nathalie de Saint-Vulba, l'équipe de Cécilia Maileako qui est désormais à 22 points et puis la troisième équipe c'est Sonia Brugno d'Octevose qui est associée troisième. Aussi à une de mes coéquipières puisqu'elle joue avec Anaëlle Barazzuti et la sixième étape eh bien, elle aura lieu ce week-end à Béziers. Tout à fait. Pour les féminines, c'est ça. Pour les garçons de la Ligue M2 eh bien, ça sera du côté de Montélimar. L'équipe de Montélimar justement de Jean-Marc Audigier qui mène pour l'instant le bal devant deux équipes de la Croix-Lyon, Alemo et Chara dans cette Ligue M2. Donc rendez-vous, ce sera donc ce week-end à Montélimar. Première boule de Sébastien Jarige, pas très bien négocié. Elle est forte, elle est sur le côté, elle est pas très jolie. Et Joyeuse qui est en train de craquer là face à Morianne Galibier qui menait 4-0, qui est menée désormais 12-4. On n'est pas loin d'en finir là pour Morianne Galibier. Et Bourg-Saint-Andéol qui est revenu à un point seulement de Fontaine, 8-9. C'est serré, ça va jouer à pas grand chose sur plusieurs jeux là. Bah, ça a repris pour Pascal Persico, oui, parce que Plaine de Lin contre Génicieux ouais, mène toujours 7-6 après une annulation d'Alexandre Giovannon. Et
Christophe Renaud tire. Ouais, bravo Christophe Rennes. Bon frappé pour Christophe. Ah, il a cette manière d'exploser là, toujours hein, au dernier moment, après pour sortir cette boule. C'est fini du côté d'Aix-les-Bains. Aix-les-Bains donc qui s'impose face à Bron 13-2. Voilà un deuxième résultat dans cette soirée d'ouverture ici donc à Chazelles-sur-Lyon. Après la victoire de Lyon sur Lagnieu 13-4. Donc eh bien Aix-les-Bains qui remporte ses 4 premiers points de la, du week-end face à Bron 13-2. Ah et Pascal qui est peut-être resté court. Il est même resté court. C'est Jérôme Benoît qui va aller tenter la reprise. Et Saint-Vulbain qui vient de marquer 2 points supplémentaires là, qui revient à 4-6. Ouais, là aussi ça va jouer à pas grand chose. Ah oui. Et bravo hein, Aix-les-Bains. Je ne sais pas si c'est encore David repris Martin. Là pour Jérôme Benoît. Je ne suis pas certaine. Cédric Roche au tir. Ouais, bravo Cédric Roche. 10 minutes, on est passé sous la barre des 10 minutes. Ah, Annecy qui est en relâche là. Avec un petit bec. Pour reprendre le point. Ouais, mais il a peut-être fait quelque chose. Hein. Peut-être rentrer à deux. Est-ce qu'on est en train de vérifier là, ouais. Greg Chira. Christophe Rennes. Ouais, bravo. C'est à nouveau frappé. Ah, il a enlevé la sienne derrière. Contre. Allez, deuxième boule pour Sébastien. Ouais, Sébastien Jarige. Il a très bien négocié sa première puisqu'il était passé derrière le but. Est-ce que celle-là sera meilleure ? J'ai l'impression. Ouais. Oui, il va reprendre. Bien joué. Et on suit évidemment, on a un œil hein, sur les autres jeux. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sur le jeu numéro 2 également entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. Vous voyez un point également, c'est par les deux formations. Ah, attention avec cette erreur là de Jérémy Micou, qui peut compliquer les affaires d'Annecy.
l'instant, il avait mis toute l'amplitude, toute l'application, là, Jérémy. Si, il négocie très mal cette main-là. L'avantage dès le départ, et ils n'en profitent pas. Greg Chira pour la team GDP. Gobertier. Ouais, il va toucher. Greg. Mais vous voyez, il y a un avantage de boule hein, pour l'instant pour Genola. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, la boule courte de Jérôme Benoît, plus celle de Pascal Persico et le trou de Jérémy. Bah, voilà. On est en retard de boule à la sortie. Ouais, boule importante là pour Fred Poyer hein, pour mettre la pression un peu plus sur Annecy alors que l'équipe de Génicieux s'accroche à son maigre avantage. Ouais, mais il vient de manquer le but là ce coup-là. Il l'a frappé le coup d'avant, vient de manquer le but et pleine de linge, je crois bien qu'il y a un paquet de boules là-bas au fond. Ah, c'est ce que disait, il reste une boule à Génicieux ouais. Et cinq boules à pleine de linge, ils ont le point par terre. Ce que disait cette semaine Rémi Martinez dans une interview à Eric Clair. Il précisait, c'est vrai qu'on apprend cette saison et il nous manque parfois ces buts hein, qui font défaut pour aller chercher les victoires dans le Money Time. C'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui encore ce soir là face à pleine de linge. On n'en est pas encore là et on ne le souhaite pas à l'équipe de Génicieux. Par Fred Poyer. On va rester évidemment sur une tentative d'annulation. Hein. Ça aussi, c'est important. C'est un match, un moment clé de cette partie. Tentative d'annulation de Greg Chira. Et c'est manqué pour Greg Chira. Et vous avez vu la trace. Ça se complique là pour Annecy dans cette dixième main. Ils avaient déjà un point de retard, les joueurs de Jean-François Gobertier. Et ils vont peut-être en avoir quelques-uns supplémentaires avant la dernière main. Ouais. Les boules sont loin devant. Donc même si Jérémy fait la reprise là, on ne voit pas Annecy marquer dans cette main. Ils sont forts, hein. Il semble fort. Aïe, 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 et il n'est pas du tout au jeu en plus, donc ça va. Compliquer la tâche. Trois boules à jouer. Exactement. Pour l'instant pour Genelard qui a le point également. Autant dire que Genelard peut quasiment faire un. Peut faire un petit break. Il y aura une main supplémentaire, mais. Ah, ils peuvent faire un plus 4 hein, quasiment sur cette main. Alors que c'est terminé, non ouais, c'est terminé ou pas entre Joyeuse. Non, c'est non, pas terminé pas, entre non. Joyeuse et Maurienne Galibier. Et c'est repris là par Fred Poyet, qui a le deuxième point. Visiblement, non oui. Deuxième point d'ajouter, ça ferait 7 à 4 pour Genola. Pleine de là, ils ont dû marquer 4. Combien de boules, Gérard ? 3, plus un point par terre, au moins 4 points. Et on le voit là, on est passé à 10, c'est ça. 10 à 7, ouais, pour Pleine de Lin, qui était menée 7 à 0 hein, par oui, Génicieux. Tout à fait. Et qui mène désormais 10 à 7. Alors que Sébastien Gras, lui, va tenter également d'ajouter des points supplémentaires pour Genelard, mais ah, il semble mais pas au celle-là, jeu. Non. Ouais. Ah non, celle-là, elle est partie complètement sur la droite. Il va rester à plus 2 pour le moment pour Genelard. Il va avoir une dernière chance. C'est fini, par contre, entre Lamotte, Servelex et Nice, apparemment. Oui, alors, c'est fini. Après, qui a gagné? Je ne saurais pas te dire. On va écouter évidemment le score hein, qui va être donné dans quelques instants par Marc Alexandre, le speaker officiel de la Ligue Sport Boulémain depuis 4 saisons.
Et on va suivre avant cette dernière boule dans cette dixième main pour Sébastien Graille. Est-ce qu'il va cette fois-ci rajouter un troisième point? Il est passé dans les autres boules en bas, il n'a pas rajouté. Bah, finalement, ce sera que deux points. Ils s'en sortent bien à Nice. Deux points supplémentaires pour Genelard qui mène 7 à 4 avant la dernière main. Et à côté, pour Saint-André-Olfontaine, un 9-9. 9 partout, ouais. 9 partout entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. 10 à 7 désormais pour Plaine de Lin face à Génissieux. Saint-Vulbas face à la Côte-Saint-André. Ce n'est pas terminé évidemment. Non, il y a 4 à 6, j'ai l'impression. Ouais, ça joue toujours également entre Joyeuse et Maurienne Galibier, 12 à 4. 13 à 7 pour Nice qui s'impose face à la Motte Servolex. Très belle victoire hein, des Niçois qui généralement plutôt bien débuté hein, cette saison, leur partie du vendredi soir. Ils avaient signé une belle victoire notamment à Lyon, les coéquipiers de Sébastien Léva-Marcon qui vont donc remporter cette première partie. Il faudra confirmer demain matin pour Nice. Ce sera face à Joyeuse, avant peut-être un match important face à Maurienne Galibier. On n'en est pas encore là. Et on attaque la 11e main décisive donc pour cette affiche entre Genelard et Annecy. Vous voyez, on va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Un petit peu vite, mais qui est déjà là, hein. Un petit peu derrière. Et Nice, hein, 13 à 7, hein, c'est une belle victoire hein, des Niçois parce que mode Servolex, un sérieux client. Le temps terminé, ça vient de siffler au tableau. Allez, Pascal Parsico pour essayer de venir contrer la boule de Sébastien Jarige. Allez, Pascal. Allez, sur le côté. T'es bien joué, il manque juste un tout petit peu d'engagement. Pascal. Oui. Saint-Vulbas hein, aussi qui de son côté s'accroche face à la Côte-Saint-André. C'est repris, c'est mieux. Pour Pascal, qui en aura fini. À moins que. Non. À moins que. À moins que. Si. Ouais, il n'est pas. Évidemment, un petit peu le masque, hein, Pascal Persico. C'est que ça commence compliqué hein, pour Annecy. Carreau allongé là pour. Oui, mais alors il a aussi enlevé la boule de Sébastien et du coup c'est peut-être Pascal Persico qui tient avec sa première boule au point là. Il est passé derrière. Bah, il va retourner d'ailleurs au tir Christophe Rennes, non ? Non, pas allez, du tout, non. Ils savent pas, on va appeler l'arbitre. Allez, petit moment d'attente. On va rappeler les scores 9 à 9 entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. 10 à 7 pour Plaine de Lin face à Génissieux. 12 à 4 pour Maurienne Galibier face à Joyeux. 6 à 4 pour la Côte-Saint-André face à Saint-Vulbas.
Aix-les-Bains a battu Bron 13 à 2. Lyon a battu Lagnieux 13 à 4. Et Nice a battu la Motte Servolex 13 à 7. Voilà pour les trois premiers résultats. On va bientôt connaître les cinq derniers de cette première soirée ici dans la Loire. À Chazelles-sur-Rhône, sur Lyon, pardon. Le verdict est tombé, c'est Genelard qui a gardé le point, du coup, suite à la mesure de l'arbitre. Donc Jérôme Benoît va aller tenter la reprise. Allez, GG. Allez, bien au but, là. Et Jérôme Benoît, boule importante, évidemment, pour Annecy. Elle est courte, ouais, très très court ça pour Jérôme Benoît. La victoire se rapproche hein, tout doucement là pour Genelard. Après pour Annecy, il va falloir évidemment limiter les écarts hein, parce que demain, même une défaite ce soir hein, pour Annecy ne remettrait pas forcément en cause la qualification, même si elle la compliquerait évidemment. Mais on sait que dans cette poule très serrée, tout le monde peut battre n'importe qui. Exactement. Ben voilà, victoire de Maurienne Galibier, quatrième équipe à s'imposer ce soir. Maurienne Galibier qui bat donc joyeuse 13 à 4. C'est repris cette fois pour Jérôme. Alors on va attendre de vérifier le score, 12 à 4 hein, pour l'instant annoncé. C'est ça, je crois que ça va se finir sur un 12 à 4, parce qu'il me semble qu'il a tapé le but. Et il me semble que Marc-Alexandre, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Et bien, on connaît les deux premiers scores hein, pour l'instant du groupe. Et là, jolie frappe de Christophe Rennes, hein, puisqu'il a enlevé les deux boules d'Annecy. On la revoit le tir là de Christophe Rennes avec un sacré triage là. De Christophe Rennes. Christophe Rennes qui finit avec un 18 sur 21, deux buts et un carreau. Ouais, super partie de Christophe Rennes. Très, très grosse partie de Christophe. Alors que Jean-Claude Ferriol nous a rejoint hein, pour ces derniers instants. Jean-Claude, merci d'être avec nous pour vivre ces derniers moments de ces premières parties de poule de groupe. Ouais, je vais vous ouvrir le micro, ça sera mieux. La passe semble tourner à l'avantage de l'équipe de Genelard, hein, puisqu'ils ont trois boules d'avance. Et surtout trois points d'avance sur cette dernière passe, 7 à 4. C'est ça. Ah, c'est bien encore, tu peux faire l'effort. Allez, avec Sébastien Graille, qui aura été un diesel dans cette partie-là, a démarré tranquillement, mais il finit très bien. Oui, il finit très fort. Hein. Enlever la sienne. Petit contre. Et le contre, du coup, c'est la boule de Jérôme Benoît qui était courte au passage, qui tient le point. Tout à fait. Alors que malheureusement, dans la rencontre, effectivement, de la peine de l'ingénieux, ça semble se répéter pour Génicieux, puisqu'ils ont une première heure qui est très très bonne avec bel avantage, et cette dernière heure qui est toujours délicate à négocier. Oui, et ils sont en train de sans doute peut-être de s'incliner là. Face à Plaine de Lin qui va s'en sortir sans doute très bien après avoir été mené 7-0 après avoir manqué complètement son départ. Ouais, alors après ils ont repris le but et ils ont joué au fond et Génicieux a été en difficulté à ce moment-là. Mais là on le sait, si l'avantage restait sur la Plaine de Lin, c'est des victoires qui font du bien, celle-ci en étant 0-7, renverser la partie, ça va les mettre en selle. Il y a une mène décisive, sans doute entre... Oui, parce qu'il y a une annulation de but entre Fontaine et Bourg-Saint-André. Ouais. Alors, je sais pas, je crois que c'est Julien qui a dû annuler, mais j'en suis pas certaine. C'est possible. Oui, c'est possible, mais me semble que... Donc, ça veut dire, le règlement nous laisse entendre ça, c'est qu'on n'a plus le droit maintenant. On peut annoncer le but, mais on n'a pas le droit de le sortir du jeu. C'est exactement ça. Allez, j'ai mes Rémi Micou. Visage déçu évidemment parce que ça
va être compliqué là pour le leader de cette Ligue Sport Boulémain qui va sans doute commencer cette quatrième étape avec une défaite. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs, hein, Nice, ah là depuis là. Le début. Là, je pense que Jérémy n'a pas repris. C'est vraiment compliqué. Ouais, ils étaient pour l'instant très, très compliqué. Annecy, ils étaient avec seulement deux défaites. Ils avaient perdu contre Saint-Vulbas, on le disait, lors de la deuxième étape, et contre Lyon. Lors de la troisième étape, ils sont en train de subir sans doute leur troisième défaite. À chaque fois contre des équipes de haut de tableau. Hein, oui, oui, bien sûr. Donc là, la stratégie, hein, comme vous le disiez à l'instant, ça va être de prendre le moins de points possible, puisque tout est encore possible dans cette poule pour demain. Je ne sais pas s'ils n'ont même pas hésité à tirer le but. Ouais, est-ce que 3 points, vous avez en discussion 3 points C'est rien, c'est rien. C'est ça, parce que là, ils sont quand même pas du tout à leur avantage, quoi. Ouais, il s'est appliqué, Grégory Chira, là, pour sortir une belle boule. Allez, allez fort. Allez, c'est... La boule tapée, ça, c'est encore un bel avantage pour Genella. Ouais, Sébastien Grahimi aussi, c'est sa dernière boule hein, de la soirée. Ouais. C'est à nouveau frappé. Tremble pas, Sébastien Graille. Donc au jeu numéro 7, une tentative de tir au but de la Côte-Saint-André pour... garder ce court avantage, c'est face ça. À Saint-Vulbas et c'est manqué c'est pour. Ouais, parce qu'ils sont mal engagés, hein, je crois bien, face à Saint-Vulbas de ce que j'ai vu. Allez, dernière boule pour Annecy. Allez, c'est parti avec Greg Chira qui avait bien pointé joué la encore, première. Ouais, c'est encore bien joué. Hein. Ouais, c'est encore très bien joué. Et là, c'est Fred Poyen, côté ton. On hésite, je pense qu'on a peur d'avoir le contre. C'est ce que fait voir Christophe Fred en fait. Ouais, si t'as le contre, qu'est-ce que tu fais derrière? Mais si... Il reste debout, là, Fred Poyen. Ah, ils vont... Après, on va dire on va pointer. Hein. Ah, on descend, on pointe, de toute manière on est sûr de gagner quoi. Tu risques pas grand chose là. Donc on se craint hein, dans ces parties. Hein. L'essentiel c'est de gagner même d'un petit point, mais bien il ne sûr. Veut surtout pas y aller. Alors que le vrai jeu pour le coup, deux boules pour une, surtout entre les mains de Fred Poyet, très souvent on l'aurait vu courir après cette boule. Et là non, on va prendre les précautions et on va pointer. Ouais, on essaye évidemment de. On sait qu'il y a également le. Le goal à virage hein, va être. Il est tellement important dans ce poule, puisque les équipes concernées, on le voit sur le jeu numéro 2, sont 9 à 9 hein, entre Landreau. Ouais, et c'est terminé. Alors qu'on va quand même suivre cette boule de Fred Poyet. Victoire de la Plaine de l'Ain sur Génicieux. On va attendre le score. Est-ce qu'il est court, Fred Poyet, ouais. Oui, il est court. Victoire de la Plaine de l'Ain qui s'en sort. Et qui passe quasiment dans un trou de souris là pour s'imposer face à Génicieux. On rappelle que Génicieux menait 7 à 0 et que la Plaine de l'Ain a aligné ensuite les mènes pour s'imposer et donc remporter ce premier match important dans ce groupe où également Aix-les-Bains s'est imposé. Et demain, nous, eh bien Jean-Claude, on retrouvera deux équipes qui auront perdu, à savoir Génicieux et Bron, les deux derniers pour l'instant du classement. Un match qui va être très très important hein, dans la course au maintien. Oui, complètement. Ça va opposer le 15e et le 16e qui viennent de perdre simultanément leur partie. Génicieux peut-être avec un peu plus de jeu, un peu plus d'entrain, mais bon, c'est perdu, donc ils vont s'affronter demain et ça risque de tenir toutes ses promesses, surtout pour le classement. Allez, on a vu la victoire donc de Genlard avec Annecy, hein, qui a remarqué un petit point pour terminer la boule de Grégory Chira, 7-5. Autant dire que ça sera très très serré demain dans ce groupe 3. C'est pas terminé, on va d'ailleurs basculer sur le jeu voisin, puisque sur le jeu voisin,
Vous le voyez, on est dans une main supplémentaire entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine. Ça joue également toujours entre Saint-Vulbas et la côte Saint-André. Les deux dernières parties qui sont encore en jeu. On attend le score entre Plaine de Lin et Génissieux. 13 à 7 pour Plaine de Lin, donc aura aligné 13 points d'affilée quand même pour s'imposer face à Génissieux. Il nous reste deux derniers scores encore. C'est fini, pour moi c'est la côte Saint-André qui a dû gagner. On va suivre ça, ouais. Ouais, ça s'est joué à rien entre la côte Saint-André et Saint-Vulbas. C'est ça. Alors que vous avez à l'image le duel entre Bourg-Saint-Andéol et Fontaine avec David du côté pour Bourg-Saint-Andéol. Deux boules d'avance pour Bourg-Saint-Andéol. Si cette boule est bien négociée de la part de David du côté, ça peut donner. Ça glisse, ça va prendre quand même. Ça va prendre quand même. Bien joué, David. Et la victoire de la côte Saint-André, 7 à 4 apparemment. 7 à 4 pour la côte Saint-André face à Saint-Vulbas. Belle opération de l'équipe de Gérard Gondran qui continue d'engranger les points toujours dans ses phases de groupe, même si elle n'a pas réussi à sortir encore de poule. Mais l'équipe de Gérard Gondran, elle est dure à jouer cette année. Ça fait pas de bruit et ça avance à leur rythme, bien entendu. Mais c'est 4 points engrangés. Allez, regardez la dernière partie encore. En cours avec les verts de Fontaine face aux gris de Bourg-Saint-Andéol. 9 partout. Est-ce qu'il va arriver, Marco Beakovic? Ouais, apparemment, non. C'est pas mal, ça a l'air. Ils vont le mesurer. Ça a l'air d'avoir pris. David veut quand même vérifier, David du côté. On l'appelle 5 boules à 3 pour Saint-Andéol. Ah, c'est repris pour Marco Biakovic. Du coup, c'est Luc Héral qui va aller tenter de frapper cette boule. Petit avantage. Si Luc se trouve de passer la boule, et il aura un bel avantage parce qu'elle n'est pas facile à prendre, cette boule derrière. Juste Nathalie, regardez, à 45, c'est pas évident du tout. Alors moi, je vois pas parce que j'ai le poteau. Je suis pas très bien placé en fait. Donc je vais regarder à l'image. Allez, c'est parti avec Luc Héral. Ah, c'est frappé ça. Ah, c'est bien frappé. Tiré, Félicité Luc Héral, il vaut cher ce tir là. Ah, ils le savent. Oui, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, Jean-Claude, on était quand même au compte là sur le coup. Et c'est ça, on a le compte. Mm-mm. Donc on a évité le compte et on conserve les boules d'avance. Tout attention. À fait. Quoi qu'il se passe, même si Marco se trouve de reprendre, Marco ou Biakovic, on va être 4 boules pour 2. 4 boules. Donc 2 boules d'avance pour Fontaine, pour Saint-Andéol. Et Marco Biakovic. Elles sont lourdes. Elles sont lourdes à ce moment de la partie. Elles pèsent de plus en plus. C'est bien envoyé. Ça part un petit peu à droite. Le bec le fait prendre. Oui, il va bien s'en sortir. Il va reprendre le point, Marco Biakovic. Il s'en excuse d'ailleurs, Damien Didier. Ça voulait bien jouer, bien entendu, ça fait partie du jeu. C'est ça. Ouh là là, ça a l'air d'être fin tout ça. Ça a l'air d'être fin. Cédric Roche, ouais, on n'est pas sûr. Monsieur l'arbitre. On va appeler l'arbitre, ouais. Évidemment, elle est importante, cette boule pour. Oh, combien importante pour Fontaine. Celle-là, ouais. Septième qui monte, si toutefois la boule n'est pas prise pour Fontaine. Et là, ça donnerait un vrai bel avantage pour Bourg-Saint-Andéol. Mais là, verdict dans quelques secondes. On est scotché au résultat de l'arbitre. Exactement. Alors on va le savoir dans pas longtemps. Et on attend évidemment le verdict des deux côtés, vous le voyez. J'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas. C'est repris. C'est repris d'Arien par Marco Biakovic. Allez, ça laisse toujours les boules d'avance pour Bourg-Saint-Andéol. 4 boules à 2.
Voilà, c'est Julien Molager. Oh là là, c'est dur, hein. Allez, Juju, c'est pour toi. Il est tard, hein. Julia, je vais rester sur, juste sur son prénom, comme ça je suis tranquille. Je comprends que le matin les parties sont pour nous. Allez, c'est super, bien joué de la part de Julien Molager qui ne craque Julien. Pas. Et une dernière boule désormais pour Fontaine, mais ça sent bon là pour Bourg-Saint-Andéol, hein, pour aller l'emporter dans cette partie très serrée avec une bonne nouvelle peut-être pour les hommes de Patrice Landreau. Un petit avantage là toujours. Il restera trois boules. Hein. Une boule à Julien Molager, si je ne me trompe pas, deux chez Dany Montels. C'est ça. Il reste. Allez, Cédric Roche. Une boule importante pour Cédric Roche. Elle est bien jetée dans l'axe du but. Est-ce que la distance sera suffisante? Ah, c'est court, un petit peu court. Ah, dommage. C'est un petit peu court. Trois boules pour emporter cette partie pour Saint-Andéol. Et une dernière boule encore pour Fontaine. Hein. Oh, on va frapper la boule, oui. C'est pas déconnant. Ouais, difficile au point après derrière. La boule est belle devant, vous avez raison. Oui, regardez Jean-Claude, on vous voit alors que Nathalie a complètement disparu. Elle est déjà en train mais je suis derrière le mur, moi je suis déjà endormi là, je suis dans mon lit. Allez, Cédric Roche. Ouais. C'est frappé, voilà. C'est maintenant frappé. On attend et on voit ce qui se passe. On ferme les yeux maintenant, c'est ça? Non, mais on a une boule de. C'est pas déjoué, hein. Il y a une belle boule devant. Pour le coup, là. Y a... C'est pas évident au point. Ça semble quand même très très bien engagé, hein, évidemment, pour. Bien mieux engagé pour Saint-Andéol que Fontaine, puisqu'il leur reste deux boules, trois boules. Trois boules encore à jouer, hein. C'est sûr. Mais maintenant, il faut venir les mettre. Et on le disait, hein, peut-être ces points vont être importants demain. Chaque fait. Boule risque de compter dans ce groupe. Très, très ouvert. Et trois boules pour reprendre déjà. Allez, Dany Montels. Oh, voilà, déjà, non. Ça passe derrière. Il n'est pas au jeu, Dany Montels. Ouais. Alors, attention, il doit y avoir deux points au sol, me semble-t-il, pour Fontaine. Donc, mais là, Dany devrait se décaler un petit peu, je pense. C'est vrai que cette boule devant est en plein jeu, Nathalie. Elle le gêne énormément. Elle fait déjouer, en fait. Elle fait déjouer. Il suffit de la jouer, de toute manière, il ne va pas lui donner le poil, non, déjà. Ouais, mais là, pour le coup, il a. Elle joue, et... mais t'as vu comme elle est retombée là, sur la droite. Là, il l'a trop défendu sur la droite, elle a versé. Ouais. Allez, Dany Montels. On l'a vu à la main déjà, il l'a moins joué sur la droite, elle est plus dans l'axe du but. Est-ce que la distance sera au rendez-vous? Oh, elle n'y est pas. Non, c'est pas possible. Incroyable finale encore. Hein. Et Bourg-Saint-Andéol qui est toujours derrière, il va rester une dernière boule à jouer pour Julien Molager. On se souvient déjà de ce qui s'est passé à l'Acro-Lyon, où l'équipe de Bourg-Saint-Andéol avait trois boules pour terminer la partie, hein, qui était passée à côté. Ah, alors il ne faudrait pas que l'histoire se répète sinon. Et malheureusement, ils doivent y penser parce que deux boules de gagne la semaine dernière qui n'ont pas été réussies et même malheureuses. Allez, Julien, on continue. Allez, la dernière boule de la soirée pour voir si Saint-Andéol va passer. Ça semble fort, elle va peut-être passer cette boule de Julien Molager. Et ce sera la victoire de. Comme quoi, c'était pas déjoué d'aller tirer cette boule-là. De Fontaine qui va s'imposer donc face à Bourg-Saint-Andéol dans cette incroyable finale. Ils avaient trois boules pour l'emporter, Bourg-Saint-Andéol. Et vous voyez la déception de Luc Héral et la victoire, la joie avec Marco Bejakovic. On se souvient que cette boule a été jugée d'un rien par l'arbitre et elle va permettre à Fontaine de s'imposer. Merci beaucoup Nathalie Bernard d'avoir été présente ce soir. On vous retrouvera évidemment demain pour la troisième partie de groupe, alors qu'on est en train de revoir la dernière boule là, de Julien Molager. On s'est régalé, hein, Nathalie, sur. Oui, on s'est encore régalé ce soir, on l'avait prévu et ça s'est bien passé comme on avait prévu. Et je pense que demain, on va encore se régaler avec de très très jolies parties à venir. Merci beaucoup, Nathalie Bernard. On se retrouve donc demain pour la troisième
partie de groupe à partir de 10h45. Tout Jean-Claude, on se retrouvera à 8h pour un joli match très très important. Il va valoir cher celui-là entre l'équipe de Bron et celle de Génicieux. Tout à fait, on sera là à 8h, on ne va pas les oublier ceci. On ne va pas les oublier et nous, j'espère en tout cas, vous aussi, vous ne nous oublierez pas. On se retrouve évidemment demain pour une très très belle journée ici à Chazelles-sur-Lyon lors de cette quatrième étape. Bonne nuit et à demain 8h. Mettez bien votre réveil à l'heure. Salut. À demain. Merci, à demain.